Du coup, bah, c'est peut-être notre faute, on l'a peut-être envoyé, c'était peut-être un détraqué. Putain, mais on n'a pas fait exprès, on savait Calme-toi, pas. calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est pas de votre faute, de toute façon, même s'il lui a fait quelque chose, c'est pas de votre faute. Par contre, dis-nous vraiment tout ce que tu peux nous dire à son sujet. Donc, il était en costume, il est sorti de l'eau là devant vos yeux, là. Oui, bah, Et vous l'avez ouais, tu es de la vie. pas vu rentrer dans l'eau, à un autre endroit, pas. Non. Non. Au début, quand on l'a vu sortir de l'eau, y en a un qui prennent des bains de minuit, ça peut arriver, hein. C'est pas le problème, mais bon, fringuer comme ça déjà, non. C'est même demandé si ce maboule venait pas de l'épave, mais bon, fringuer comme ça. Non, mais au début, on s'est dit c'est un mec bourré qui est allé dans l'eau et des noyades, il y en a ici, hein. Ouais, je sais. Est-ce qu'il a dit comment elle s'appelait sa femme quand il a dit qu'il la cherchait? Il a dit oui, il a dit Sylvie. Mais il avait l'air paumé. Je pense qu'il s'est rendu compte que c'était complètement con de demander ça à cet endroit-là. Mais je vous dis, au début, on a pensé qu'il était bourré, mais quand on lui parlait, en fait, on s'est plutôt demandé s'il avait pas un pet au casque. Et du coup, Ah, ben, un écoute. pet au casque, forcément, on a voulu rigoler un peu et on l'a envoyé là-bas. Et Et vous avez remarqué s'il était pieds nus ou s'il était en chaussures ou... non, là, je sais pas, je saurais pas vous dire. Non, il me semble qu'il était fringué complètement, hein. Un type en soi, Il oui. était totalement habillé, Ouais, ouais, totalement totalement. habillé, il est sorti de l'eau, ouais. C'est ça. Mais habillé à la mode de il y a longtemps, quoi. J'en sais rien, moi, de la mode il y a longtemps, habillé comme un vieux. Ouais, ça Du correspond coup, pas. je lui Il montre était pas la si vieux, lui. photo. Je lui montre la photo. Oui, mais la Tu as la photo, il photo? l'a vue. Bah, c'est moi qui l'ai, je la rends. Hein. Ah, c'est toi qui l'as. Il l'aura montré, donc. C'était ce costume qu'il avait sur lui, non? Ouais, c'est ce type-là, là. C'est lui, là. C'est ce type-là. Et avec ce costume. Et cette gueule. Ouais, Et cette cette gueule. Ah gueule. oui, cette gueule. Si je vous dis que c'est ce type-là, c'est ce type-là. Mais ça pourrait être ce type il y a longtemps, enfin, tu vois, il est plus jeune, plus vieux. Non, non, mais si c'est le même à cet âge, je suppose quoi. C'est ce que tout le monde nous dit, donc. Écoutez, moi. Bon, c'est bon, je te Mais lâche, attends deux vas-y. secondes, Ouais, mais et faudrait du peut-être coup. le dire aux flics, du coup, nous on n'a pas osé, voulait pas que ça nous retombe dessus si on l'a envoyé là-bas. Quand on y est Oh, bah retourné, je sais pas, une ou tu deux viens de heures le plus dire aux tard. flics, t'inquiète. Oui, tu viens de nous le dire, c'est bon. Oh Il n'y a putain. Par pas de contre, problème, il n'y les a pas de flics, ils ont une problème. autre question. Il y a 2 jours, là, quand il y a le bateau qui s'est échoué sur la plage, du coup, c'était vous, les marioles, qui jouiez dedans, ou... Non, là, je sais pas de quoi vous parlez, par contre. Je vous jure. Bon, je sais pas si le commissaire va vouloir te croire, mais... Mais de toute façon, peu importe. Je pense que c'est pas ce gars-là. Après tout, la maçonnier, elle est morte plus tard. Donc on l'a. C'est pas lui. Et vous l'aviez jamais vu avant dans le village, ce mec-là. Non. Et vous n'êtes pas allé traîner chez Massonnier après pour voir si les effets de votre petite blague. Si, un peu quand même, mais bon, on n'a rien vu de particulier, quoi. Ah Ah oui, oui, t'es pas bon, en train de faire quand il est bisous sorti. bisous avec Oui, le mais taré non. sur le porche, quoi. Ouais, d'accord. Comment? J'ai pas entendu. Je dis, elle était pas en train de faire bisous bisous avec le taré sur le porche. Ah non, 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 non. Vous avez vu personne. Il s'est rien passé en fait, vous l'avez envoyé chez elle et il s'est rien passé, c'est ça. Bah non, je crois pas. Bah, à part ce qui s'est passé plus tard, quoi. Donc là, ça me fait un peu. Ça nous a fait flipper. C'était peut-être qu'une coïncidence. Ça tombe, il n'y est même pas allé. Mais bon. Oui, il y est allé. Mais bon, il s'est rien passé sur le coup, effectivement. Il reste à savoir s'il cherchait à y aller ou si c'est vous qui l'avez envoyé là-bas, quoi. Il avait l'air paumé, alors. Il tenait quelque chose à la main quand il est sorti de l'eau, un collier. Euh...
Pas que je me souvienne, non. Après, je me tourne vers Charlie, je fais... Et son... J'ai dit, s'il avait un manteau, il y avait sans doute des poches à son manteau. Bah non, il est sorti en costume. Il est sorti en costume. Non, c'est en costume. Non, il est sorti en costume. Après, un costume, ça a des poches aussi. Oui, ça a des poches, ouais. Ça a des poches aussi. C'est très bizarre. Bon, ben merci. Allez, file. Il demande pas son reste. Est-ce qu'il nous fait un fuck de loin ou pas ? Non, pas du tout. Moi, je regarde le dossier. Je prends le dossier des mains de Charlie et je regarde le nom de la femme de Madame David. Ouais. Madame David, c'est Sylvie, le Normand. C'est Sylvie. Ouais. Étonnant. Le mystère s'épaissit. Le mystère s'épaissit. Mais c'est cette histoire de trois bonhommes qui sortent du bateau qui est surtout mystérieux. Parce que oui. Je pense qu'on a compris que c'était lui à qui maman avait passé les fringues de papa et qu'il avait voulu retourner à l'épave. Mais pourquoi est-ce que trois types, et peut-être pas lui, reviennent en bateau? Oui, c'est ça. Peut-être c'était pas il est là-bas avec un fusil pour essayer de tuer quelque chose sur et le bateau. Qui sont ces types qui sont ressortis? Parce que. Bah, c'est ça. Il ça, a dit que c'était des humains, des hommes, des femmes, on peut pas savoir. En plus, des jeunes, des vieux, trois, il a dit. Il est parti tout seul et avec le fusil, si j'ai bien compris. Oui. Et oui. Le fusil. Il est parti tout seul avec le fusil. Après avoir passé 5 jours chez notre mère. Voilà, il y a trois types qui sont revenus. Notre mère est morte, nos photos ont disparu. Donc le fusil, c'est pas eux qui l'ont embarqué, a priori. Non, c'était lui avant. C'était lui avant. Et c'était pas pour nous tuer, nous. Pourquoi ils sont trois, pourquoi ils étaient pas deux ou quatre, là? Moi, je crois que c'est une coïncidence. Mais je pense et que... Une je bonne pense coïncidence que pour lui. Oui, les jeunes... Les jeunes, ils y voyaient pas à mal, en fait. C'est juste qu'ils pensaient que c'était un taré. Et que, du coup, ils se sont dit, deux tarés ensemble, ça va bien s'entendre, quoi. Oui, mais alors, attends. Imaginons que ce que vous dites, ce que vous pensez depuis le début est vrai. C'est-à-dire, il est pas mort, il est revenu par par ta spirale magique, là. Il est revenu, et comme par hasard, il va chez notre mère. Ouais, comme par hasard ou pas, c'est le destin, ça. La coïncidence, c'est qu'il soit allé chez notre mère. Parce que je pense que si c'est bien ce type, ce qui est complètement dingue, je te l'accorde. Mais si c'est bien ce type, visiblement, il cherchait sa femme et ses gosses. Détrompe-moi du peu si j'ai bien lu le dossier, mais il l'a tué sa femme, non? Ou ils font partie des disparus Disparus, il n'y a que lui qu'on a trouvé le corps. Ah, il n'y a que lui qu'on a trouvé le corps? Il y a des gens qui ont dit qu'il avait tué sa femme et ses gosses, mais on n'a pas les corps, je on crois sait pas. Ah, ouais, d'accord. Et lui, il s'est suicidé, bon. Bah, la preuve que non, enfin... Oui, Non mais on n'en est plus à ça près là, on marche sur la tête. Là, imagine tu as assassiné ta femme, tes gosses ou pas, tu t'es suicidé, tu t'es loupé et puis t'as pas vieilli pendant 40 ans. Tu sors, tu vas dans un village. Tu sors de l'eau en costume. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas chez une ancienne passagère, tu la reconnais, tu la reconnais pas. En tout cas, pendant une semaine ou 5 jours, tu restes chez elle. Et il t'a dû apprendre quelque chose avec cette femme-là pour pouvoir faire ce que tu fais après, c'est-à-dire voler un bateau entre guillemets, prendre un fusil et aller faire mais quelque justement, chose. Mais justement, occupée de lui. Elle mais s'est occupée de lui pendant ça. Oui, elle s'est occupée de lui, mais elle a dû lui apprendre des choses parce que. Oui, mais justement, est-ce que c'est lui pas qui a besoin du livre pour faire quelque c'est chose ça. Sur l'épave? Oui, peut-être. Mais peut-être que c'est lui qui a... Je sais pas, il nous a dit qu'il avait juste un étui, mais il avait un grand manteau. Alors, grand manteau... Ton fameux livre, c'est pour invoquer des sorcières ou c'est pour les buter? Conjurer. C'est... Pour les trouver et les... Les trouver et les réduire au silence. Ouais. C'est pour chasser le démon, entre guillemets. C'est ça. Donc il aurait pris un fusil, 40 balles, un livre anti-démon et il serait parti sur le bateau. A priori, c'est ça qu'il a fait. Et par contre, il n'en serait pas revenu ou alors accompagné de deux bonhommes et ils auraient décidé de tuer notre mère. Non, je pense pas. Je pense que lui, il est resté sur le bateau.
Il a peut-être qu'il s'est mal passé là-bas. Quoi. Il est remords. Je pense que lui y est resté et le problème c'est qu'est-ce qui en est sorti. Mais c'est ça. Ces trois bonhommes. Là. Me dites pas que c'est trois frères sinon je pète un câble. Mais ouais, peut-être. Attends savoir. Et Et nous qui on est. Et moi ça me. Notre mère elle dit qu'on les on a remplacé ses enfants. On est des changeux là. Ah mais vos femmes elles vous font trop l'esprit. Arrêtez un peu, conneries. Et toi rends-moi mon pétard. Ah non il est parti avec l'autre. Il est parti avec. T'en as pas d'autre. Oh. Si, mais je veux qu'il arrête de fumer. Elle a dit trop de conneries. Là. Charlie. Ouais j'ai pas l'habitude. Non mais je oui c'est la entre guillemets c'est la seule explication mais c'est pas une explication parce que ça n'explique rien et la seule façon de savoir ce qui peut en être c'est d'aller sur ce putain de bateau et j'ai pas du tout envie d'y aller. Ça sert à rien. Enfin qu'est-ce qu'on cherche là, qu'est-ce qu'on veut, on veut savoir qui a buté notre mère, c'est ça? Bah, c'est trois types qui sont sortis d'un bateau. Bah, il faut aller questionner. Par un type. Il était 20h, il faut aller questionner dans les rues, voir s'il y a des gens qui ont vu des gens courir il y a deux jours. C'est frais encore dans leur esprit, je pense. Et on sait pas du tout, là, pour le coup, on sait pas du tout quelle tronche ils ont, ces mecs-là. Non, mais attends, c'était 20h30, je sais plus trop quelle période de l'année on est. Si tu vois trois types sortir de la plage en courant, en fuyant quelque chose, peut-être tu t'en rends compte, quoi. Surtout que c'était pas il y a deux semaines, c'est il y a deux jours. Et notre ami, le loueur de bateau, il a pas cherché à comprendre. Il a récupéré son bateau et c'est tout. Il a pas. Le problème, c'est vrai qu'on aurait pu lui demander s'il avait pas trouvé des traces ou des objets ou des trucs qui étaient pas à lui dans le bateau. On peut retourner le voir. On peut retourner le voir. Ou alors il nous l'aurait dit, ouais, je sais pas. Ouais, peut-être des traces bizarres dans le bateau, on peut aller le voir. Vous pouvez retourner le voir. Bon, on y retourne alors, du coup. De toute façon, là, c'est tôt. C'est le matin encore, oui. Ouais, c'est dans, maintenant plutôt fin de matinée quand même. À 10h, 11h, quoi. 11h plutôt. Ouais. Bah, écoutez, vous retournez le voir. Il commence à avoir un peu d'activité de son côté. Là, il termine avec un client. Et... Bon, on attend qu'il ait fini. Il vous dit sur le bateau, tout ce que j'ai retrouvé, c'est l'étui en fait qu'il avait. Vide. Okay. Rien, pas de cartouche vide, pas de trace de, je sais pas moi. De tir. T'es jamais. Non, il a rien retrouvé d'autre à part cet étui vide. Ok. Et votre bateau, il était en bon état ou il avait des éraflures ou comme si quelqu'un avait essayé d'accoster à l'épave et c'était cogné dedans. Ouais, je vous avoue que je lui ai pas donné le bateau qui était en meilleur état, donc il a pris quelques coups. De toute façon, il a dit qu'il allait au niveau de l'épave, donc j'ai pas besoin de voir de traces pour savoir qu'il allait là-bas. Oui, bien sûr, mais savoir s'il s'était vraiment frotté à l'épave ou s'il avait vraiment pêché au large, quoi, comme il vous avait dit. Une question, vous avez je vu pense par pas où qu'il ils sont allait pêcher pour être honnête. Comment? Vous avez vu par où ils sont partis, les trois gars? Bah, ils sont partis direction la ville. Ouais. Parce que peut-être on les a vus. Si vous savez la rue où ils sont passés. Ils ont remonté cette rue là ou... J'en sais rien du tout. Moi, je suis surtout allé voir mon bateau après. Ok. Et justement, vous n'avez pas l'impression d'avoir reconnu celui qui vous avait loué le bateau dans l'eau? Il n'y avait pas un type habillé avec un grand manteau qui sautait de ce bateau là? Ils avaient l'air vêtus de quelque chose ou... Oui, bah ils étaient sans doute vêtus, mais je vous avoue que j'ai pas regardé dans le détail. Il faisait assez sombre, ils étaient loin. Oui, bien sûr. Non, j'en sais rien du tout. Je saurais pas. Non, mais si c'était en peignoir de bain, vous l'auriez remarqué, quoi. Ah, peut-être bien, mais quand même. Non, j'ai pas l'impression. Bon. Mmh. Bon bah merci quand même. Ouais, de rien. Est-ce qu'on va demander en ville si quelqu'un a vu ces types courir ou...
Bah, ça serait peut-être une bonne idée, au moins pour voilà, pour voir leur réaction. Est-ce qu'il y a une armurerie dans cette ville? Peu de chance. Pourquoi tu veux faire quoi? Parce que je songe à vous acheter des armes. Ça s'achète pas comme ça en France. Oui, mais moi j'ai permis de port d'armes. Oui, mais t'es flic. Oui, mais donc, t'es flic. Donc ton arme elle est enregistrée, ouais. Et... Ben justement. De toute façon, honnêtement, une armurerie ici, il n'y a pas de chasse à cet endroit-là, donc vous pouvez demander. C'est plus la pêche ici. Hein. Ouais, c'est plus la pêche. Ouais. Bon, un fusil à harpon alors. Un harpon. Pêche à la dynamite. peut-être juste bon, un truc quand même avant que vous repartiez, là, pendant que vous repartez, le gars il vous rappelle là, Bruno de l'Espadon. Ouais. Tenez, et il vous file l'étui. En fait, c'est pas vraiment un étui, mais c'est un endroit dans... Enfin, surtout toi, le flic, tu le reconnais. C'est... En fait, c'était pour le fusil de ton père. Ouais, ouais. Bon, je m'en doutais, de toute façon. Je m'en doute, ouais. Est-ce que ça sent la poudre? Non. Juste. Pour savoir si ça, si le fusil avait été rangé dedans et utilisé. Ça sent pas la poudre. On reconnaît l'étui de notre père, hein, ouais. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Bon, y a rien à l'intérieur, on l'ouvre, on regarde, il reste non, rien. Non, je sais pas. Non, y a plus rien. Bon. Bon, bah on repart. Je sais pas quoi faire là. Moi je reste persuadé qu'il y a des trucs sur ce bateau, mais. Voilà. Je suis partagée entre la curiosité d'y aller et le truc que j'ai pas envie d'y aller quand même, parce que ça pue, mais. Mais surtout, mais... pourquoi est-ce que... Enfin, ces trois types seraient dans la nature, quoi. Bah, ils sont auraient, là. Ils seraient... Enfin, ils seraient juste venus pour assassiner notre mère. Ou alors, ils sont venus pour chercher quelque chose. Et en cherchant cette chose, ils l'auraient buté sans faire exprès ou en faisant exprès, on n'en sait rien. A priori, si elle est tombée... Enfin, on sait pas trop si c'est fait exprès ou pas, du coup. Si elle est tombée sur la table. Elle est tombée ou on l'a poussée? Ouais, bah bon, après. Ouais, quand tu pousses quelqu'un, si tu veux le tuer, t'as d'autres moyens que de le pousser. Quoi. Oui, oui, si vraiment tu veux le buter. Non, mais trace de. Enfin, même si c'était pas. Intentionnel, on va dire. Genre, ouais, ils voulaient des infos et elle voulait pas leur donner, et du coup, ils l'ont un peu malmené, et ça s'est mal terminé, quoi. Et surtout s'il y a eu échange de pilotes du bateau, ça veut dire que ils ont échangé entre les deux. La personne que notre mère a hébergée aurait finalement indiqué à ses assassins où elle habitait pour qu'ils l'assassinent. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. J'y crois pas trop ça. Bah, comment ils ont eu son adresse du coup? Ah oui, non, mais par ce mec là. Mais après, je suis pas sûr que ça soit pour l'assassiner vraiment. Je sais pas. Ou pour récupérer le fameux livre, ou je sais pas. Bah, je sais pas qui c'est en fait. On sait pas quand est-ce qu'il a disparu le livre. C'était un volume énorme le truc. Ouais, c'est un gros truc. Hein. C'est-à-dire que si David, non, c'est quoi son prénom était venu avec le livre sous le bras. Il l'aurait vu. Non, mais c'est un bon point. J'aurais dû le préciser. Il avait un bouquin avec lui. J'aurais dû le préciser avec Bruno. Ouais, d'accord. Bien de le mentionner. Ouais. Ouais, parce que c'est une énorme brique. Donc il avait brique, le livre hein. Alors. Ouais, parce que c'est un gros pavé. Ils sont pas venus pour cambrioler pour prendre le livre. Non. Ils sont venus pour prendre soit nos photos, soit. Non, c'est pas possible. Pourquoi elle a imprimé nos photos pendant que Steve était avec elle? Putain, c'est quoi cette blague? Non, mais ça a été imprimé. Ça a été imprimé. Lui était avec elle. Oui, ça a été imprimé une semaine.
Une semaine avant? Non, non, c'était Ah, quand? c'était une semaine avant? C'était quand l'impression déjà? Je sais pas, Bon, c'était tu dans nous l'air l'as du dit, destin, mais... donc c'était quoi, 2 jours ou la veille? Non, j'avais dit la veille de sa mort. Ouais, la veille. Donc Donc... quand avec David, il préparait son escapade dans le bateau. C'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est bizarre! Je... Voilà. Oh putain, j'espère que... Non, c'est de la Ah non, merde. mais Moi, je c'est... craque là, les conneries, là. J'espère qu'il n'a pas pris les photos pour créer des doubles de nous ou je sais pas quoi. Non, Et pas peut-être créer. que... C'est Mais dans vos livres, non, ça. c'est pour savoir. Pas créer. Pour retrouver des pseudo doubles de nous. Hein? Non, mais écoute, voilà, enfin, j'extrapole, hein, je. Oui. Le type part avec un livre, un fusil et 3 photos. Et étonnamment, il y a 3 bonhommes qui reviennent. Moi, je serais Ça? d'avis qu'on aille quand même voir en ville si ils Est-ce savent qu'il n'y a pas pas à quoi nos ils ju- Est-ce ressemblent. qu'il n'y a pas C'est, nos jumeaux? y a pas nos jumeaux de l'autre côté de la spirale qui se baladent Du en ville. miroir, de l'autre côté du miroir. Au choix. Inventons un Je autre code, comme ils disent dans les films. plaisante, mais ça me fait grave flipper quand même. J'emmène pas large. J'essaye de plaisanter avec ça, mais il emmène pas large quand même, le rip. Hein. C'est trop bizarre. Ouais, mais voilà. Comme tu dis, ça sera frais dans la tête des gens, donc autant aller poser un petit peu des questions dans la fameuse rue dans laquelle ils se sont engouffrés. On va essayer de remonter. En fait, il y a peut-être On va beaucoup de rues, en remonter fait. la Y a... rue, il y a peut-être des commerces ou Ouais. des... Est-ce que on peut... ça va être compliqué, mais ça va être une idée à la con, mais... Est-ce que... De toute façon, je suppose que c'est... Charlie qui va aller poser les questions. Je lui dis de prendre une photo de nos gueules à nous deux, ou alors de prendre sur son téléphone, et au lieu de Bon, demander s'il n'a pas vu 3 types courir, de demander si les gens ont pas déjà vu nos nous photos. ont vu nous. Oui. Attends. Bon, je vais faire un selfie. Non, en fait, je vais Non, demander pas un si... selfie, juste nous. Prendre-nous en photo. À Enfin, vous deux? juste moi. Enfin, pas ensemble, Ouais. séparément. Ouais, d'accord. Alors, je prends Histoire une que nous, on photo. vienne pas Ouais. avec toi et que tu poses la question pendant que nous, on va demander s'ils ont vu des gens courir, tu vois, mais... Ouais, sinon, vous prenez une photo de moi et on fait chacun une rue, peut-être. Enfin. Pas faux. Non mais vous Ouais, embêtez c'est pas avec sûr. le nombre de rues. Si vous interrogez dans le coin, je considérais que vous interrogez un peu tout le monde et que vous faites D'accord. un C'est pas ça. sûr. En Du coup, gros, le on but, prend c'est de se chacun une séparer. photo Voilà, c'est de ça. nous, des Des deux deux autres, et autres. on demande s'ils les ont vus. Et par contre, faut Voilà. pas repasser au même endroit, sinon ils vont dire oui, on vient de le voir à l'instant. C'est ça. Donc, on va prendre d'autres. Voilà. Chacun une rue. Non, mais on peut demander s'ils l'ont vu, donc c'était il y a 2 jours. Bah, 2 jours. Bah, on Voilà, connaît ouais, la 2 jours date, nous, avant, ouais. en tant que joueur, on n'en sait rien, on est Vers PJ. Ouais. 19h30, vers Voilà. 19h30, 20h. On demande si. Voilà, s'ils ont vu courir l'un ou Bah, l'autre, ou les courir ou deux. venir se renseigner, parce que s'il faut, Voilà. ils n'avaient pas l'adresse et ils cherchaient où habiter la folle du coin aussi. C'est ça. Donc on va remonter. Je dirais que ça vous prend au moins jusqu'à midi et demi, quoi. Parce que bon, faut un peu de terrain, faut parler aux gens, faut les trouver, Ouais. etc. Vous êtes chacun de votre Tiens, côté. si on trouve de la bouffe en chemin, Oui, on va s'acheter des voilà. sandwiches par là. Ouais, sans problème. Tarte aux fruits. Tous autant que vous êtes bredouille. Personne Crossover. Donc on est tous bredouilles. vous a vu. En revanche, je me permets de dire que Louis-Joseph, Louzo, tu reçois un appel. Et il se trouve que c'est ta femme, Kaya. Oui, j'avais dit que je l'appelais le matin, c'est vrai. T'as raté. Du coup, je réponds. Elle t'appelle, elle te dit, elle a l'air inquiète. Elle t'appelle Louzo, elle aussi, ou pas? Non. Non. Elle doit m'appeler comme j'avais dit au début, mais je me rappelle plus. Je me souviens plus non plus. Bon, tu peux dire chérie, ça va Ça va très être bien. chérie. Oui, chérie, désolé de te déranger, mais voilà, je Ah voulais non, te c'est tenir moi, j'ai au. oublié, je devais t'appeler, excuse. Ouais, bah, je vais te dire, j'ai même oublié que tu devais m'appeler parce que bah, j'ai fini par amener les petits chez le médecin parce que bon, la fièvre était quand même forte. Et apparemment, médecin, donc c'est la deuxième fois qu'il les voit, parce qu'il avait dit que c'était pied-main-bouche, mais finalement, ça n'a pas l'air d'être ça. Parce que
Là, ils ont l'air vraiment tous mal, ils ont pas tous les symptômes. Il sait pas trop ce qu'il a, donc il m'a dit de les emmener aux urgences. Bon, il n'y a rien de trop inquiétant pour l'instant, hein. Il n'y a pas de... Mais bon, il dit que ça mérite analyse, alors... Mais elles ont quoi? Elles arrivent pas à respirer? Elles ont des boutons partout? Alors non, alors beaucoup de fièvre. C'est monté jusqu'à 40, bon, avec un peu de Doliprane, ça redescend un peu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Voilà, par contre, elles ont l'air... Elles pleurent beaucoup et... C'est normal, ça fait mal. Mais... Ben oui, mais apparemment, elles ont l'air d'avoir mal. Dit que là, elles ont la nuque un peu tendue, peut-être mal à la tête. Bon, donc je les amène. Alors, il l'a dit, pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant, mais il préfère... Voilà, c'est un conseil qu'il me donne, donc je voulais te tenir au courant. Ben non, mais t'as bien fait, ouais, ok. C'est quel hôpital? Elle me donne l'adresse. Ouais. Dès que j'ai fini ici avec ce déménagement, là, enfin ces cartons là, j'arrive de suite. Enfin de suite, vous habitez. Dès que je peux, je viens en fait. C'est le premier truc que je fais quoi. Non mais enfin, ce que je veux dire, c'est que habite, hein, vous êtes beaucoup plus loin. Je sais pas où exactement, mais c'était un voyage pour venir là. Vous n'êtes pas resté. D'accord. Vous avez vécu. S'il faut que j'ai courte, tu me dis. Ouais, je laisserai mes frères se débrouiller. Bien sûr. Je te le dirai. Pour l'instant, il n'y a pas besoin, mais je te tiens au courant, je les emmène aux urgences et je te tiens au jus. Pour l'instant, rien de trop inquiétant, c'est des analyses complémentaires. Bon, tiens-moi au courant. Très bien. Allez, embrasse-les pour moi. Allez, ça marche. Bon courage. Tout se passe bien? Bon, c'est n'importe quoi, mais... Les ouvrages de ma mère, les fréquentations de ma mère, les... délire de ma mère, et puis mes frères qui courent, qui marchent pas, qui courent complètement, donc j'ai un peu de mal à leur faire garder les pieds sur terre, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais comment ils sont. Ouais. Bon allez, j'y vais, je te tiens au courant. Ok, allez, tu me tiens au courant, et surtout, essaye de voir un médecin rapidement, et de te contente pas d'un interne, hein, tu demandes un vrai docteur. Hein. T'inquiète pas. Et bim. Et bim. C'était gratuit. Désolé avec ceux que j'aurais. Désolé s'il y a des internes dans la salle. Surtout qu'il paraît que... Surtout que j'ai récemment appris que les internes souvent sont... Enfin, sont même mieux que... Plus qualifiés que les... Bah oui. Donc... Je confirme. Bossant à l'hôpital, je confirme. Ah, chacun ses expériences. Vous vous retrouvez et vous n'avez rien retrouvé, donc pas eu de... Vous n'avez pas fait bouche. Même les trois personnes qui courent, on n'a pas d'infos, c'est ça? Non. Personne n'a rien vu. Après, ils sont sortis, ils faisaient nuit, enfin ils faisaient hyper sombre, c'était sur la plage à ce temps-là. Bon. Le voyage qu'on a fait, on est arrivé avec une seule voiture. Ouais. Mais parce qu'on avait pris une seule voiture au départ, on habite tous au même endroit, ou c'était... C'est pour la facilité, vous auriez pu être à trois voitures si tu veux, mais c'était pour que vous soyez ensemble. Non, c'est pour savoir, c'est parce que moi le premier truc que je vais leur dire, c'est peut-être qu'il va falloir que j'ai courte. J'ai des petites qui sont malades et elles sont à l'hôpital, là. Donc si je vous abandonne... avant que vous ayez découvert le fin mot de l'histoire, et je le ferai. Désolé. Ouais, je comprends. Ouais, qu'il y a de me tenir au courant de toute façon, mais... J'ai au moins quelques heures encore avec vous. J'espère que ça va aller. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que en fait, y a rien de plus. Je sais pas du tout quoi en penser en fait. J'espérais malgré moi d'avoir des infos sur ces fameux là. Ces fameux gars, mais le problème c'est que... Et notre ami René, il les aurait pas vus par hasard? Parce que... Bien gentil d'avoir vu le gars en... Qu'il nous l'aurait dit. Il nous l'aurait dit. En plus, c'était le soir où elle a été tuée, donc il a juste entendu ce pseudo bruit de verre brisé.
C'est ça, c'est le jour. Bon, si vous Mais voulez est-ce... vraiment aller sur le bateau, moi je vous dis, on peut aller sur le bateau à la recherche de quoi? À la recherche d'un fusil et d'un grimoire. Voilà, c'est tout. Mais Oui, vous n'allez pas me faire non, mais chercher je suis un d'accord avec toi tintac qu'on ou... trouvera pas grand-chose de plus que le fusil et le grimoire, mais déjà ça nous confirmera que que ce type il est quand même bien réel et qu'il est il a disparu quoi. Déjà. Ce Bah, il serait a, il est réapparu et il a redisparu du coup. Oui, c'est ça. Ce qui m'inquiète un C'est peu, quand c'est que ce même bateau est bizarre. grand, quoi. Donc, Ah c'est oui, non, mais c'est sûr. plusieurs heures à fouiller. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller dessus. Oui, non, mais moi non plus, je suis sûr que c'est pas une bonne idée, Non, mais si tu veux mais. récupérer le bouquin pour ta femme et puis le fusil de papa, ils sont là-bas, Oui, quoi. en même temps, j'ai envie de te dire, le Ouais. bouquin. C'est. Bon, du coup, on va louer un bateau, c'est ça? Oui, je Bon, suis sinon, on rentre et pas. on les laisse se démerder, hein, mais... Aussi! Certes, mais ça m'intrigue quand même beaucoup cette histoire et Tu j'aimerais peux bien toujours savoir. passer au commissariat, sinon, Oui, par bah où? en même temps, quand t'as des brêles pareils qui te disent que c'est un cambriolage qui a raté alors que pas Ouais, du tout. je vais aller les voir parce que... Tes collègues, peut-être qu'ils seront aussi mal à l'aise que nos amis là. Tous ceux qu'on interroge, ils sont quand même pas très à l'aise avec cette histoire. Je suis pas sûre que tes collègues soient super à l'aise non plus. Et peut-être que ils auront Surtout des que infos off, on va dire. des infos off, tu crois? Oui. Bah je. Vu Bon, ce qui s'est ils passé, sont je déjà peux allés toujours aller voir. quelque Je peux part toujours après, aller voir. surtout, c'est ça. Ils Ouais. sont pas disparus, ils sont pas volatilisés, quoi. C'est ça. Ils étaient à pied, ils ont dû rôder dans le coin, ça fait 2 jours. S'il faut que quelqu'un a vu quelque chose, appelez le commissariat. Oui, allô, c'est Madame Michu, j'ai vu trois types rôder dans la rue, enfin voilà, quoi. Madame Michu. Bon, bah Madame on va Pen au Michu. commissariat du coin alors. Je sais pas où il est. Le but, bon, il est dans la vie de toute façon. Hein. Le but, c'est de poser quoi comme question là, exactement? Savoir s'il y a eu trois mecs, des signalements sur trois gars, des choses comme ça? Ouais, trois gars louches qui Je crois que erraient tu veux dans les aussi rues. parler de l'enquête et de dire que Et la vitre a j'aimerais été cassée aussi. de l'intérieur, Oui. non? Voilà, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qu'ils ont sur l'enquête. Je vais leur filer les cheveux à tout hasard aussi. Ok. Bon, écoute, en gros, au commissariat, tu montres ta carte et tout ça. Tu peux entrer en contact avec le lieutenant Durand. Qui en gros t'explique que déjà ils sont à la recherche déjà dans les alentours, que ce soit en ville et les villes d'alentours, s'il y a eu des cambriolages. Ça, c'est leur piste actuelle parce que donc ils ont interrogé comment ils ont interrogé René, ils ont interrogé les gens, les voisins autour. Alors, donc ils ont eu des informations qui sont assez similaires à ce que vous avez eu. Ils sont en train donc de regarder un peu s'il y a eu des actes de vandalisme ou des cambriolages déjà en ville. Rien trouvé de particulier en termes de cambriolage, donc ils sont en train de regarder sur les villes alentours pour essayer de voir si ça pourrait être un groupe ou des choses comme ça. Pour l'instant, Alors, ils en sont là. je lui dis que quand même, je ne sais pas s'ils ont remarqué, mais la vitre a été cassée de l'intérieur. Oui, tu vois que. Oui, bah. Ça paraît bizarre, ça. Bon, oui, Effectivement. comme vous dites. Ouais. De l'intérieur. Ouais, vu l'état des lieux, je vois pas pourquoi ils auraient fait ça. L'intérieur, ça m'étonnerait quand même. Vitre cassée, c'est pour rentrer, c'est pas pour en sortir. Je veut n'ai pas qu'on dit lui que c'était montre. pour en sortir, j'ai dit que c'était peut-être pour faire passer ça pour un cambriolage. Il veut qu'on lui montre le verre brisé à l'extérieur et qu'il n'y en a pas du tout à l'intérieur ou. Non, mais tu peux même lui en parler. Le problème, c'est que lui dit ça veut rien dire. Après, peut-être qu'on ne sait Bah. pas exactement ce qui s'est passé. Elle connaissait personne à part le René, donc que quelqu'un ait pu rentrer pour l'instant. Il n'y a rien de sans avoir à casser la vitre. Pour l'instant, personne n'a rien vu. Donc notre seule piste, c'est d'éventuels cambriolages. Bon, Malheureusement. et alors je lui demande si il n'aurait pas eu des rapports sur trois individus louches Non, rien du tout. dans la ville. Rien du tout. Non. Ok. Et quand vous êtes arrivé le matin, c'était le matin, hein, après que René ait donné l'alerte, la fameuse vitre cassée, elle était ouverte ou elle était fermée? Ah, La fenêtre. Oui, la vitre, la fenêtre, oui. La fenêtre?
La fenêtre qui était cassée, est-ce qu'elle était ouverte ou fermée? C'est ça que tu demandes? Oui, c'est ça. Ouais. Bah, elle était ouverte, un petit peu. D'accord. Elle a été cassée pour ça, j'imagine, la vitre. Pour pouvoir ouvrir, passer la main et ouvrir. Oui, mais elle n'était pas fermée, elle était ouverte. Passer la main et ouvrir. Attendez, là. Tu casses une vitre pour aller chercher la poignée derrière et l'ouvrir. Oui, mais ça c'est quand on la casse de l'extérieur. Oui, bah oui, mais bon, lui, il dit... Sauf que quand tu casses une vitre, le verre, il va à l'intérieur et pas à l'extérieur. Oui, je sais. Voilà. Écoutez, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, même si c'est vrai ce que vous dites, pour l'instant, malheureusement, personne n'a rien vu, personne sait, donc on n'a malheureusement pas de piste pour savoir qui aurait pu rentrer chez elle. Elle connaissait personne. Les seuls membres de sa famille, bah, c'est vous. Que je sache, vous n'étiez pas là. Non. Donc, je suis navré, mais pour l'instant, c'est compliqué, là. On a peu d'éléments. Donc, on ratisse large. On regarde s'il y a eu des événements similaires. Déjà, s'il y en a, ça sera une piste. S'il n'y en a pas, ben, faudra qu'on trouve autre chose. Mais pour l'instant, vous m'excusez, on n'a rien. Est-ce que vous enquêtez sur la personne qui habitait avec elle ces derniers jours? Bah, en enquête, le problème c'est que c'est pareil, on a une description de ce type-là dont le voisin nous a parlé. Bah, en enquête, oui, on fait des signalements au commissariat, on demande s'ils ont, ils ont eu des plaintes pour, je sais pas, vagabondage, s'il y a eu encore une fois, s'il y a eu d'autres événements similaires, des agressions par des marginaux, des choses comme ça, agressions, cambriolage. Pour l'instant, on ne recherche que des cas similaires. Ou des signalements de vagabonds, pourquoi pas de malades mentaux, ça peut arriver aussi quand ils sont schizophrènes. On n'a rien pour l'instant, mais c'est récent. Il n'y a rien. Que René, le voisin, vous a dit qu'il savait que notre mère vivait avec quelqu'un, c'est ça, la dernière semaine? Non, 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 non. Il n'a jamais dit que quelqu'un vivait avec elle. Il a dit qu'il avait, il nous a parlé d'un type louche qu'il avait vu une semaine avant. Oui, d'accord. Non, moi, je vous parle de la personne qui dormait chez elle. Vous avez fait votre enquête, vous avez vu qu'il y avait quelqu'un qui vivait là en plus d'elle. Qui avait dormi dans... Oui, voilà. Qui vivait là, peut-être qu'elle avait reçu de la visite potentiellement, mais si c'était pas vous, ça aurait pu être René, j'en sais rien. Apparemment, ils étaient assez amis. Alors, il dit que non, il dit qu'ils étaient juste amis. Honnêtement, s'il y a un suspect, c'est lui. Mais pour l'instant, rien ne montre que... qu'il y était. Alors... oui, bah si vous voulez, on va peut-être le cuisiner un peu plus. Ça me paraît quand même bizarre, cette histoire. Mais bon, moi, je pense plutôt que c'est un cambriolage. Ça arrive, c'est déjà arrivé qu'il y ait des dégradations dans cette ville aussi. Mais bon, écoutez, on peut toujours cuisiner plus le vieux, hein. Non, non, c'est bon, laissez tomber. De toute façon, bon, on bah, bien qu'on fasse, on si va on vous a rien laisser. d'autre, mais... On va vous laisser. Bon, c'est bon, je fais signe... au frérot de quoi, ouais. C'est pas la peine quand d'assister. Je dis, mais ils ont pris des stagiaires dans la police aussi ou... Non, non, mais là, non, ouais, mais s'il bon, vous plaît, c'est la province. Un peu de respect, vous n'êtes pas à notre place, ça fait 2 jours, vous nous excusez. Non, mais quand on est sorti, je dis ça, attention. Ah, d'accord. Non, non, pas dedans, non, non, moi, non, moi aussi, hein, je ne dis d'accord. rien dedans, je dis au revoir, je dis merci, et puis. Et complètement, enfin, bon. C'est là que vont nos impôts, quoi, j'ai envie de dire. C'est ça! Bon, pas que, il y en a des compétents, mais ailleurs. Bon. Et là, pour le coup, pas vraiment... Pas vraiment ouais. efficace, hein. Non, on n'a plus le choix, Google là. Je vais mettre un mauvais avis sur Google. Allez, hop. On va acheter... qu'est-ce qu'on va... On va vous acheter des fusils à harpon, ça vous dit? On va dire qu'on va aller à la pêche. Nous aussi, on va aller à la pêche. Charlie, tu sais bien que moi, j'ai toujours été plus cérébral que Manuel. Alors, si tu me donnes ça... On t'achètera un cerveau après, t'inquiète pas. Petit con. En plus, je pense que les fusils à harpon, honnêtement, il faut aussi des autorisations, à mon avis. Oui, je non, pense. Non, non, non. Non, non. Non, tu peux acheter ça n'importe où. Oui, je suis sûr. Ah oui. Bah, c'est comme les arbalètes et les arcs dans les magasins de sport, tu peux acheter ça comme tu veux. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. T'as pas le droit de t'en servir, t'as une législation de ouf autour, mais tu peux en acheter.
Ouais. Tu peux les avoir chez toi et te balader dans la rue avec, mais tu peux pas aller en festival avec. Voilà. Là, tu parles de Voilà, briquet, c'est ça? voilà. Oui, parce que quand tu veux Donc, aller dans un si on festival de voulait, on peut reconstitution faire, si on historique, voulait, tu on peux pourrait pas en y aller acheter. avec des armes. Ouais. Si vous voulez acheter des fusils à repompe, dans ce cas-là, j'ai rien contre. Après, c'est si vous voulez pas, mais moi je me Oui, méfierais à votre place. Bah, t'es oui, armé, non, toi. mais. Moi je suis armée, bah oui, mais il n'y a que moi qui est armée, mais bon. Mais qu'est-ce que tu crains là, Charlie? Je sais pas. Je me méfie. Même s'il y a C'est des tout. C'est par SDF ou principe. des schizophrènes, comme il a dit, Mais on non, va pas mais les des. harponner, quoi. Non, mais des SD. Non, mais Bah, des si t'as une SDF, base, tu fais Bouzo. quoi? Mais qui veux-tu qu'il y ait sur ce putain de bateau? Il n'y a personne, c'est une épave. Mais t'en sais Ok. rien, s'il faut, il y a des Allez. teufeurs ou des j'en sais rien, moi. Peut-être bien. On ne Des sait pas. squatteurs sur une Des gens épave. qui font des trucs sataniques, qui jouent à des jeux de rôle, des trucs comme ça. Eh, ça serait fun, n'empêche. Bon, allez, on y va pendant qu'il fait jour. Ils On ont va tous peut-être un peu, genre acheter. les défoncer en fait, Bon, c'était par Garrus. contre, je vais chercher un magasin et je vais acheter des lampes de poche pour tout le monde. Le frontal. Ouais, Moi ce je que lui dis, tu si veux. tu vas dans un magasin de chasse et de pêche sous-marine, Ouais, non, mais. je veux bien un couteau de chasse sous-marine, mais je vais pas prendre un harpon, ça sert à rien quoi. Ouais, non, pareil. Bon. Donne un couteau, ça sera plus simple à manier, hein, quand même. Bon, je bah j'achète voilà, les couteaux. Et Moi lampe, aussi oui, d'ailleurs, j'en prendrai. lampe frontale, parce que lampe Lampe de poche, frontale, ouais. faut avoir les deux mains libres, c'est quand même plus simple, surtout qu'on n'est pas habitué à se servir de quoi que ce soit, nous. Je trouve ça. Ou Bon, les pas? lampes frontales dans un truc Oui, de sport, ça va oui, très bien. oui, je pense qu'il n'y a pas de problème là. Ok. Ouais. Bon, bah voilà, lampe frontale. Très bien, mais On y va. ça vous Des met couteaux. tout ça vers, je dirais, 14h, même un peu plus, parce que les magasins étaient fermés pendant midi. Donc ça vous Ouais. mène vers aller à 14h30, 15h pour aller revoir Bruno. Voilà. Qui vous dit, bon, bah. Vous voulez aller voir ce qu'il est allé foutre là-bas, alors, si je comprends bien. C'est ça. On va aller voir ce qui est à foutre là-bas. On n'a pas le permis bateau, mais ça vous pose pas de problème, apparemment. Ouais, c'est pas bien Voilà. compliqué, je vais vous montrer, mais par contre, bah, pour le coup, j'aimerais bien pas fermer après 18h cette fois. Ouais. Et Ouais, on va non. détresse dessus, de toute façon. Si on a un problème, on peut envoyer une fusée de détresse et. Ouais. Oui, voilà, si jamais vous avez ça en stock. Ouais, C'est sur tous les bateaux bah dans vous en la. avez, vous C'est sur les bateaux, ça sur y le est, ouais. bateau, vous êtes obligé et je vous mets les gilets aussi. Ouais. Bon, bah allez, suivez-moi. On fait On un va prendre peu. le même bateau ou pas? Ouais, Que celui que vous avez donné au mec avec le costume trop grand. bah, ça vous pose un problème? non. Non, au contraire. Bon, bah. Alors suivez-moi. Faites gaffe quand même. Alors vous allez autour de l'épave ou vous allez aller dessus? On va aller On va sur essayer. l'épave. Ben, on va surtout essayer de voir où lui il est allé, s'il est allé autour et qu'on trouve ce qu'on cherche autour. On Non n'a pas besoin mais d'aller dedans. j'ai compris, mais si vous trouvez pas, vous allez aller dessus ou pas? Ben oui. Bah, non mais c'est important que vous me le disiez, parce que si vous voulez aller dessus, alors faites gaffe quand même, c'est tout pourri là-bas, il y a une partie de la carlingue qui a été arrachée avec le temps, etc. Bref, faut tourner autour du bateau, faites gaffe aux rochers. Là, vous pouvez pas monter par la partie visible de ce que vous voyez là, d'où on est. Vous contournez le bateau, d'accord? Et il y a un genre de d'échelle qui a été rajoutée. Ça, c'est quand il y avait les trucs touristiques à l'époque, mais ça, c'est plus autorisé maintenant. Vous montez à l'échelle et vous amarrez le bateau, vous l'attachez à ça. Faites gaffe, des fois il y a des courants, il y a des gens qui tombent. Voilà. Ok. Ok, merci. Il y a De rien. des gilets de sauvetage sur le bateau, je suppose. Je propose Il y a qu'on les des mette et qu'on cordes? n'enlève plus. Il y a des cordes quelque part? Mais de toute façon, il y a des cordes partout sur le bateau. Oui, Donc, bah c'est un petit bateau à moteur, hein, il c'est y a pas non les, plus. voilà, il y a les boudins pour empêcher que ça cogne contre les trucs. Il y a Tout les ce que cordes qui attachent au quai. vous voulez avoir qui est crédible sur un bateau comme ça me pose aucun problème. Pas Voilà, il y a besoin. les gaffes, il y a les gaffes pour arriver à accrocher les rebords des Voilà. trucs. Il y a, voilà.
Vous j'ai fait du bateau. Ça, ça, ça s'entend. Ça s'entend. Il y a un freezer avec des bières aussi ou pas? Ça dépend du bateau, ça. C'est pas un yacht, a priori. Non, c'est pas un yacht, ça, c'est clair. Bon, vous démarrez le moteur. Ouais. Et il vous emmène au large. Il vous faut quelques minutes quand même pour l'atteindre. Alors, moi je remarque que t'avais déjà le son du bateau, ça veut dire qu'il y en a. Ouais. On n'est pas les seuls à avoir été sur le bateau. On n'est pas les seuls, je vous le confirme. On va aller mourir sur le bateau. Oui, je pense. Si je peux me permettre d'ailleurs, vous auriez été les seuls à ne pas y être allés. On a failli. Hein. On en reparlera de ça. Mais. Ils nous auraient obligés à y aller. Bon, je vous oblige à rien du tout. Non, rien du tout. Si vous voulez, même si vous voulez repartir, c'est tout à fait possible. Si t'avances pas assez dans le scénario, tes enfants meurent un par un. On en recose. Quelques minutes, et par contre, vous vous dites qu'effectivement, les gens qui font ça à la nage, parce qu'il y en a quelques-uns, un peu loin, c'est faisable, mais c'est quand même vraiment très risqué. Il suffit qu'il y ait un mauvais courant, et c'est pas étonnant qu'il y ait déjà eu des noyades au fil des ans. Et donc, vous finissez par arriver au niveau de l'épave. Donc, vous tournez, vous regardez, il n'y a rien qui attire votre attention. On voit personne ? Non, il n'y a personne. En tout cas, autour, c'est pas dessus, là, en l'occurrence. Donc, rien de particulier autour. Vous trouvez, si vous tournez autour, l'endroit où, effectivement, il y a moyen de s'amarrer. L'espèce d'échelle. Est-ce qu'on s'amarrerait pas et qu'on éteindrait le moteur pour écouter déjà ? Parce que ça fait un bruit d'enfer et j'imagine qu'on entend que dalle. Bah, on coupe le moteur. De toute façon, on s'approche. Avec et là, il n'y a plus un bruit, tu sais. On met les boudins à l'eau et on s'attache parce que je suppose qu'il y a quand même un truc pour s'attacher le bateau. Et si on entend, ça grince. Ouais. Ça grince. Attaché, le moteur est éteint. Est-ce qu'on n'entend rien. Grimper à l'intérieur ou pas ? Oh là, ça donne pas envie, mais on va y aller quand même. Okay. Vous grimpez. Et vous posez le pied sur l'épave. Alors c'est dans un sale état. On voit que le temps a fait son œuvre. Ça grince de partout. Il y a une partie du bateau qui s'est affaissée à certains endroits, c'est rouillé, il y a des trucs. T'es bouffé par la rouille, ouais. T'es bouffé par la rouille. Il y a des trucs qui sont là, qui auraient pas dû être là, comme si certaines choses ont été rapportées de l'extérieur aussi, à des endroits, mais c'est complètement pourri. Et vous vous retrouvez donc dans une sorte de. Excusez-moi si j'ai pas les termes nautiques, mais dans un genre de couloir du bateau avec. Ce qui faisait office de fenêtre, avec probablement des chambres ou des zones pour l'équipage, des cabines d'équipage ou de passagers. Vous êtes donc à cet endroit-là, à l'entrée. Que faites-vous ? Est-ce qu'on peut regarder s'il y a des traces au sol là sur ton image? Ouais, genre du. Est-ce que c'est... un passage récent. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez me poser la question. Par contre, les images ne sont pas contractuelles, c'est avant tout de l'ambiance. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a un truc qui ressemble de la poussière? Ouais, il y a de la poussière, tout ça. Une trace de passage, une trace de passage récent, justement, s'il y a de la poussière. Alors là, à l'entrée tout de suite, non. Si vous voulez un peu, parce que des traces, il y en aura de toutes. S'il y en a, il y en aura de toute façon pas partout. La question, c'est est-ce que vous regardez juste là ou est-ce que vous avancez? Ah bah, de toute façon... Essaye de regarder partout. On avance, on Parce que de toute façon, on cherche des traces du gars. On met les frontales, hein, quand même, parce que... D'accord. Pas déconner non plus. Ah, finalement, on va avancer jusqu'à ce qu'on trouve une trace. Ouais. Oui, c'est ça, c'est... D'accord. Vous avancez, il y a des endroits qui sont comme condamnés. Il y a des cabines complètement fermées, voire enfoncées. Et des cabines où la porte elle est fermée, mais il y a une sorte de truc qui a été enfoncé dans la porte de la cabine, alors que c'est quand même du métal pour certaines, notamment les cabines. Mais dans le sens du couloir ou dans le sens de l'intérieur de la cabine ? Non, dans le sens du couloir. Enfin, vers l'intérieur de la cabine. Donc, ah, d'accord.
le choc. Comme si on avait vous donné un coup depuis l'extérieur. Ouais, exactement. Ça arrive, vous le constatez à différents endroits. Progressez, puis effectivement, vous trouvez un endroit, comme une trace de pied, dans un endroit un petit peu plus humide, qui a séché un peu. Juste à un endroit, par contre. Vous pouvez pas suivre exactement, mais vous voyez qu'il y a eu du passage, en tout cas. Vous êtes avec vos lampes torches, continuez à explorer. Et puis, au bout d'un moment, en fait, c'est un peu comme si vous contourniez le bateau en suivant un peu ce passage. Vous arrivez dans ce qui a été l'atrium. Donc, la grande salle où tout le monde devait manger, les passagers du bateau. Alors là, il y a encore plein de tables, des chaises, tout ça c'est bousillé, il y a des lustres qui sont tombés au sol. Enfin, le temps a fait son œuvre, c'est complètement ravagé. Vous trouvez d'ailleurs à différents endroits, à l'atrium principalement, hein, mais aussi à d'autres endroits, des bouteilles de bière vides. Très chouette les photos d'ailleurs que tu as trouvées, c'est de l'urbex. Je pense, ouais. Très sympa. Et donc vous trouvez, dans l'atrium, il y a un comptoir de bar, il y a un endroit où il devait y avoir du self-service, bref. Et il y a des bières, des bouteilles de bière, des papiers aussi. Clairement, au fil des ans, il y a des... Il y a des trucs modernes. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Ouais, il y a ouais. des gens qui sont venus là, quoi. Voilà, mais ça, c'est pas forcément frais, par contre. Ouais. Ouais. Vous n'êtes pas les seuls à avoir posé les pieds sur ce bateau, ouais, ouais. clairement. Pas du tout stressant, les... Des bruits. Et on trouve des traces de pas là dans le... Ici non, pas vraiment. Mais en même temps c'est un endroit qui est moins humide ici parce qu'il est moins... Il y a moins, moins l'air libre en fait, c'est plus vers le centre du bateau. Par contre, quand vous allez de l'autre côté de l'atrium, vous retrouvez un couloir qui ressemble un peu ou prou à ce que vous avez quitté précédemment. Sauf que là, au niveau des portes et tout, vous voyez que c'est plutôt le côté des passagers. Là où les autres, l'autre, ça pouvait plutôt être l'équipage. Là, on voit au niveau des portes et tout ça, ça devait être vraiment des cabines pour des passagers qui étaient là en plaisance. Et là, vous retrouvez des pas. Vous voyez de nouveau cette humidité. Et vous voyez des pas ici et là qui continuent à avancer. Jusqu'à une... Non loin, en tout cas, vous voyez une cabine qui a l'air ouverte. La porte est ouverte. Par contre, il y a comme... de la lumière. Oh. Ok. Je crois que je vais attraper mon pistolet. Ça a l'air d'être une lampe ou c'est la lumière de dehors qui... Non, ça a l'air d'être... quelque chose à l'intérieur. Qui fluctue un peu, d'ailleurs. Une bougie. Ouais, ou une lampe attachée au plafond, quoi. Ou une lampe à pétrole, quoi. Enfin, parce que j'imagine mal de l'électricité. Bon, on attend que le flic fasse une acquisition de terrain. Hein. Allez, vas-y. Ah ouais, parce que... passe devant, Charlie. Tu connais Je mieux. Je sors mon couteau. Ouais, pareil. Donc moi, j'ai le pistolet à la main. Que je tiens en l'air près de moi, tu sais, bon, comme les flics, quoi. Ouais. Pas tendu devant, évidemment, parce que c'est l'erreur à ne pas faire. Et je jette un œil. À l'intérieur. Ouais. Et là, ce que tu vois, c'est tout un tas de bougies qui sont par terre. Dans J'adore la musique. Et tu prends un point de folie. L'habitude. Il y a des bougies qui sont disposées en cercle sur les murs et par terre. Il y a des spirales qui ont été dessinées à la craie, notamment une énorme spirale sur le sol, mais il y en a également sur les murs et surtout par terre, au centre, sur la spirale et à l'intérieur du cercle de bougies, dont certaines sont éteintes quand même. Il y a le Maleus Maleficarum. Ben, je pensais qu'il allait avoir nos photos, tu vois. Non. Attends, elles sont peut-être en dessous. Elles sont peut-être dedans, hein. Peut-être, mais en tout cas, vous ne les voyez pas. Oh, elles sont peut-être dedans, le maillot. Mais il y a d'autres tarés encore dans ce monde, là, ou pas? Parce que je dis ça tout. Ok. Que c'est que ça? Bon, du coup, bah... Moi, je m'avance et je vais récupérer le bouquin. Ok. Tu
t'avances, puis elle est vide, hein, à part ça, il n'y a personne. Tu prends le bouquin, et là, il se passe un truc vraiment paranormal pour tout le monde. Vous avez l'impression, soudainement... Parce que c'était normal jusque-là. Ouais, mais là, c'est beaucoup moins normal. Là, vous voyez que les murs commencent à onduler, et vous avez l'impression que le sol devient malléable, comme du... plutôt même comme du coton, sous vos pieds. Il est pas palpable. De moins en moins. Et les murs fluctuent, enfin ondulent, pardon. Comme si c'était de l'eau. Partout autour de vous. Même. Y compris la porte. J'allais dire, même si je suis resté dans le couloir, ça fait ça aussi, quoi. Exactement. Exactement. Et partout, c'est tout le bateau. C'est tout le bateau. Bah, de là où, vous, là où vous les êtes, ouais. Vous voyez que c'est ça. À partir du moment où t'as pris le bouquin, qu'il était dans tes mains, et là. Vous vous sentez vous enfoncer dans le sol, comme si ce sol vous absorbait. Bah je lâche le bouquin, je cherche pas. Tu lâches si le bouquin. Si c'est à partir du moment où le bouquin m'est arrivé dans les mains que ça fait ça, je tu lâche tombes le au bouquin. Sol, et on dirait qu'il est complètement absorbé par le sol, sauf que toi tu continues, au même titre que tes frères, à être absorbé dans le sol. Vous paniquez, votre cœur se met à battre, vous essayez de bouger, mais c'est plus possible, vos pieds ont été pris par le sol. Vous êtes aspiré complètement. Et là, vous savez. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que vous êtes absorbé par le sol. Vous sentez comme ça, la tête dépasse seulement maintenant. Et c'est comme si vous alliez vous noyer dans le sol. Sympathique. Tout devient noir. Mais seulement, vous êtes toujours conscient. Et finalement, il se passe un truc vraiment tout aussi étrange. Mais vous ressortez du sol qui ondule également. Sauf que lorsque vous émergez... Le bateau est neuf. Non. Il n'est pas neuf. Ah. C'est exactement la même chose, mais différent. Allons bon, attends. Ah, est-ce qu'on est ressorti par le haut ou on est ressorti par le bas? Vous on êtes est tombé ressorti, ou on est remonté? Vous êtes remonté. D'accord. Sauf que cette fois... On a été aspiré et expulsé. Exactement. Mais tout doucement. On est en négatif. Debout. Voilà. Et toi, tu on as... Est... Le livre qui est à tes pieds, tu l'avais lâché. Ouais, bah. Et. Je le récupère quand même parce qu'on sait jamais. Ok. Si c'est le seul moyen qu'on a pour revenir dans. Notre dimension. Attends, en fait... mais la seule différence qu'on voit, c'est quoi? C'est les attends, couleurs je... du coup, je vais... Attends. Exactement, c'est ça, justement. C'est en fait. Attends, vous par êtes... contre. Oui. Je vais baisser un peu la musique parce que. Je t'entends plus. Ah, voilà. Très bien. C'est exactement la même pièce ou le même couloir dans ton cas, excepté que tout semble en nuance de noir et blanc ou de gris. Ouais, t'es en négatif, quoi. Et voilà, il y a une sorte de particule, de poussière qui est comme en suspension dans l'air. Et est-ce que j'arrive à retrouver dans le Maléus la page avec les spirales? Alors, juste avant que je te réponde, vous allez tous me faire un test de volonté. Donc, regardez dans les personnages joueurs si vous avez des bonus ou des malus. Moi, je sais plus, hein, ce que je suis. Le policier a plus 1, le professeur de lettres a moins 1 et l'ingénieur a plus 0. Volonté, c'est quoi ces 10? J'ai fait 10, je sais pas combien il faut faire. Et j'ai fait 10. Bah 9 du coup. Oh putain, magnifique. 10 aussi. Okay, ouais. Très bien. En plus, toi t'as plus 1, donc c'est nickel. Rosen 6. Rosen, tu vas perdre 4 points de détermination. Donc, tu vas cocher 4 barres. Vache. D'un coup, ça pique. T'es secoué quand même. De toute façon, moi j'allais le jouer en mode je hurle là. je suis en train d'hurler. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, les mecs? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois tout noir et blanc. Putain, j'ai un problème aux yeux. Toi, non, non, y'a pas que toi, y'a pas que toi. Lozo. Pierre-Henri, toi tu perds un point de détermination. C'était 10 la difficulté. D'accord. Je vois tout bizarre, je vois plus les couleurs. Que faites-vous? Ben moi je cherche, je te dis, dans le truc, la page avec les spirales.
pour voir s'il n'y a pas des détails dans le sort, pour voilà, ouais, des explications en fait, un petit peu de ce qui nous arrive. Donc c'est en latin, tu commences à chercher dans le livre, et tu finis assez facilement par trouver justement une page où il y a des spirales. Mais non seulement tu le trouves facilement, mais il y avait un marque-page. En fait. Ouais. Et d'abord tu scannes, tu lis pas tranquillement pour l'instant, tu scannes un peu et tu te rends compte que il s'agit d'un genre de rituel avec une formule latine et quelques consignes pour dessiner des spirales, on va dire, pour ouvrir des spirales. Ouais. En gros, c'est ce que tu comprends pour l'instant. Oui, c'est une dimension parallèle, quoi. Voilà. Ok. Quoi, ce délire ? Bah, on est où, là ? Moi, je dirais pas on est où, je dirais on est quand et on est où, effectivement, mais... Non, où on sait, mais où dans le temps ? Dans le temps ça, et ouais. Dans l'espace, parce que c'est peut-être le même bateau, c'est pas forcément le même plan de ce que je comprends, c'est ça ? Quand ouais. Je lis le truc, c'est en ça. Gros, c'est un plan différent, ouais. C'est ça ? C'est ça, un truc qui s'appelle l'entremonde. Tu comprends et aussi que c'est l'entremonde, c'est aussi un endroit de transition. Tu nous expliques tout ça ou pas ? Oui, de toute façon, je lis en même temps, je lis à voix haute. Hein, je... Ok. Et il y a quoi dans ce monde ? Je baragouine un peu. Mais... Bah, justement, en lisant, d'ailleurs, ça te parle, parce que tu reconnais aussi une des pages que tu as déjà vues sur Internet, une page qui avait été recherchée, là, l'extrait oui. Du Maléus, qui explique que l'entremonde, c'est aussi là où se trouvent ceux du dehors, et que quand on ouvre des spirales pour passer, ça leur permet aussi de passer. Ouais. Et alors que c'est tu dis ça, tu commences à vous commencez à entendre autre chose. Et comment on fait pour rentrer chez nous ? C'est ça. Est-ce que je cherche le truc pour sortir et pouvoir fermer les spirales, en fait. S'il y a une espèce de mode d'emploi. Il n'y a rien pour fermer, c'est que un rituel d'ouverture. Super. Et vous entendez ces espèces de bruits immondes qui se rapprochent, qui deviennent de plus en plus forts. C'est pas encore tout prêt, mais vous les entendez. Que faites-vous ? Eh ben, on va fermer la porte. Moi, je serais d'avis qu'on... Tu es dans le couloir, hein, ouais, le couloir. Je dis à Louzo, rentre, viens avec nous, on va fermer cette porte. Mais putain, je vous dis que je vois plus rien, je vois tout. Vraiment. Viens avec nous. Qu'est-ce que tu là. Fais là. Bon, s'ils me disent de venir et que je suppose qu'il y en a un qui vient me chercher, je rentre. Ok, la porte ne ferme pas, elle est bloquée. Super. Ça se rapproche de plus en plus. Que faites-vous ? Eh ben, on se met à trois pour la fermer, la porte. Essaye de mettre le Maléus au centre de la spirale du milieu, là. Mais c'est ce que j'ai fait. Il est tombé tout à l'heure et ça n'a rien fait. Bah, s'il est tombé, il n'était pas au centre. Si. J'essaye. Ça passe rien du tout. J'en prendrai un et je vais le secouer. Je dis, mais putain, mais toi aussi, tu vois en noir et blanc comme ça ? C'est quoi cette oui ? Vous commencez à entendre comme des pas. Ça fait. Putain. Ça commence à être relativement proche. Que faites-vous ? Et on peut pas du tout fermer cette porte, même à trois. Non, vous pouvez pas fermer la porte. Non, vous pouvez pas. Ça bouge pas. Est-ce que dans un coin il y a les affaires du père ou pas ? Non. Le fusil ? Non, y a rien. Y a rien. Moi, je pense que je vais m'asseoir contre un mur et puis je vais attendre. Moi, je cherche à toute berzingue dans le bouquin s'il n'y a pas quelque chose de pour tu sais, un truc d'exorcisme de repousse pour repousser les esprits malveillants. Tu cherches. C'est en plus il fait sombre. C'est un gros bouquin. Non mais il fait sombre. J'ai ma lampe frontale. En quelques secondes, trouver un truc au hasard. Tu trouves rien. C'est vraiment maintenant très très proche. Vous entendez les grattements. Probablement.
Bah, je continue à chercher, moi, de toute façon. Je... Là, oh, moi, j'ai mon pistolet, je vise vers la porte. Je sais pas ce que je vise, mais bon. Ok. Tu trouves rien dans le bouquin particulier. Tu sors ton portable, tu vois qu'il est éteint. J'essaye de l'allumer, bien sûr. Ça marche pas. Ça répond pas. D'accord. Alors, je pense que je suis dans un cauchemar. Et soudain, dans l'entrebâillement de la porte, vous voyez une forme, ou plutôt une forme informe. C'est difficile. Ça ressemble à la fois à un énorme insecte, ça semble avoir plusieurs pattes. Est-ce que j'ai dans mes souvenirs de langue ancienne une espèce de formule qui me revient en tête pour... Absolument voilà. Pas. Et tu vois le truc, vous voyez l'espèce de chose qui se redresse presque comme un humain, d'une certaine manière, mais il y a quand même plein de pattes. Ça laisse échapper une espèce de cri immonde, et ça rentre dans la pièce. Et ça accélère vers l'un de vous. Tu tires dessus. Tu tires. Immédiatement. Non, pas 36 coups, non, j'en tire qu'un. Un coup, il se passe rien du tout. Du coup, tu lui tires dessus. Immédiatement, elle fonce sur toi. Vous voyez que cette énorme masse, extrêmement véloce, qui fonce sur votre frère. Je vous demande à tous les deux, les autres, fais un test de volonté d'une difficulté de 10. Si vous ne réussissez pas, vous fuyez. Ça passe. Okay. Non, mais c'est pas possible. Incroyable. On ne fuit pas. Les deux. Pas décoller. On a fait 10 tous les deux. Oh, mais non, toi, t'as moins 1, toi. Bah oui, mais je peux pas faire 10, du coup. C'est pas possible. Eh ben, tu fuis. En fait, t'as aucune chance. Non. Bah oui, c'est ça, en fait. Tu fuis. Tu fonces dans le couloir. Terrifié. Oui, ça marche. C'est bon, ça passe. Vu que toi, tu réussis, soit parce que tu crois que c'est un rêve, justement, ou que tu penses que c'est pas la réalité, que fais-tu? La chose est sur ton frère, tu vois pas vraiment ce qu'elle fait, tu vois plus ton frère. Ouais, moi je pense que c'est un espèce de cauchemar, et puis j'ai un relent d'héroïsme, donc je vais me rapprocher, je vais mettre des coups de téléphone, puisque j'ai que ça dans la main. Non, j'ai un couteau, tiens. Je vais sortir mon couteau et je vais essayer de lui mettre des coups. Mettre un coup à ton frère, ça te dit du jus. Ouais, c'est un risque. Peut-être, il va. T'enfonces ton couteau quand il mange. Plusieurs fois avec ton relent d'héroïsme, ça a l'air de rien faire. Et à un moment, tu sens comme une pression derrière ta nuque. Il y a une sorte des pattes qui t'a attrapé, qui te tire violemment près de la créature qui te colle. Et je vais passer à la seule personne qui a fui. On est mort. Henri Pierre. Tu cours dans le couloir. Tu cours dans le couloir en perdant. J'ai le bouquin dans les mains. Hein. Ça marche. J'ai pas lâché le bouquin. Pas de problème. Je sais pas comment j'ai fait pour pas lâcher le bouquin, mais j'ai pas lâché le bouquin. Tu cours. Et plus loin derrière toi, tu entends de nouveau ces cris, ces pas. Tu es terrifié, mais à un moment, non loin, tu entends une voix qui te dit: par ici, il y a quelqu'un. Par ici. Je la suis parce que je me dis s'il y a quelqu'un pour nous aider, ça peut être que bénef, quoi. Tu vois une silhouette qui apparaît dans l'entrebâillement d'une porte qui est quasiment fermée. Elle est vraiment presque fermée. Et tu vois qu'il te fait un signe de venir. Est-ce que j'arrive à me faufiler? Ouais, avec un peu de son aide, s'il tire un peu. Tu peux réussir à aller dans la pièce. Allez, c'est parti. Hein. De toute façon, pas trop le choix. Tu rentres. Il te fait venir dans un coin loin de la porte. Et il te fait chut. C'est tout ce que t'entends pour l'instant. Du coup, j'éteins la frontale, par contre. D'accord. J'ai le temps de voir, avant d'éteindre la frontale, à quoi il ressemble, la personne. Oui, absolument. C'est David Lenormand. Super. Il est vêtu, de son costume. Vous entendez les bruits de pas juste devant la porte et les bruits de la créature ou d'une créature juste devant.
Tu sens une pression sur ton avant-bras. C'est David juste à côté qui te serre pour que tu ne dises rien. Je vais rien dire. Hein. Là, c'est... Vous attendez. C'est silence radio là. De longues secondes. Et la chose semble s'éloigner. On l'aurait échappé encore. Et vous savez ce que c'est ces choses? Et mes frères? Qui ça? Vous cherchez vos frères, moi je cherche ma femme et mes filles. Mais vous êtes mort il y a des années, monsieur. Enfin, concrètement, on a vu un dossier sur vous. Vous étiez sur ce bateau il y a 40 ans et vous n'êtes pas ressorti. Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, ces choses, c'est horrible. Elles sont arrivées comme ça, de nulle part, sur le bateau. Elles ont commencé à prendre tout le monde. Je me suis retrouvé là, je me suis faufilé par un de ces tunnels bizarres. C'est ce qui m'a permis de fuir, et je me suis retrouvé là. Vous cherchez vos frères. Je cherche oui, ma famille. Ils sont dans une des cabines à côté, et il y avait une de ces créatures avec eux. J'ai paniqué, je suis partie et j'ai pas regardé en arrière, et visiblement ils étaient pas derrière moi, et j'avais peur, j'ai pas osé retourner en arrière pour les chercher. Et... Venez. Je comprends pas, je comprends pas où on est là. Moi non plus, enfin, moi non plus, je sais pas. J'ai peur de comprendre, c'est surtout ça. Moi je sais pas du tout. Mais venez, tant que la créature est pas là, où il y en a plusieurs. Venez jeter un œil pour vos frères si vous voulez, mais après, il faut absolument que je trouve ma femme et mes filles. Oh, c'est pas possible. Une fois qu'il est paniqué. Bon. Il commence à se diriger vers la porte et à se faufiler dans l'entrebâillement. Et vous êtes sûr qu'ils sont partis? Non, j'en sais rien. Parlez pas fort. Ils sont attirés par le bruit, j'ai l'impression. Est-ce que tu le suis? Ouais, je vais le suivre et je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Ok, ils étaient où, vos frères? Deux ou trois cabines avant. Ok, montrez-moi. Du coup, je me mets en avant et je vais à l'endroit où c'était. Et je regarde quand même à l'intérieur. J'essaye de distinguer à l'intérieur si je vois quelque chose. Il n'y a plus personne. Aucune trace. Et il y a encore les spirales? Non. Ça, elles n'y étaient pas quand vous êtes revenu d'ailleurs quand vous êtes arrivé dans l'entremonde. Mais par contre, il n'y a plus de traces de tes frères. Il n'y a pas de traces de sang, il n'y a rien. Ils étaient là. Il n'y a même pas 2 minutes. On n'a pas le temps. C'est dingue. Je suis désolé, on va peut-être les trouver ailleurs, mais... Il faut que je cherche ma femme et ma fille. Et il attend pas que tu répondes, il rebrousse chemin dans le couloir. Mmh. Ouais. Moi, je cherche quand même des yeux, si je vois des traces quelconques de lutte ou de quoi que ce soit, parce que... Moi, C'est mes frères qui m'importent, en fait. Ouais. Mais y'a rien. Ok. J'essaye de me mettre dans un coin. Au maximum de... loin de la porte pour mettre la lumière. Ok. Et j'essaye de chercher à toute fin un truc dans ce putain de bouquin qui m'expliquerait... ce que sont ces créatures et où sont partis mes frères. Si j'arrive à trouver quelque chose, après, j'ai franchement des doutes parce que connaissant le bouquin un petit peu, je vois à peu près et je me dis que c'est tellement nébuleux et tellement abscon que ça va être compliqué de trouver quelque chose, mais c'est le seul truc à lequel je peux me raccrocher. Donc, tu trouves plus d'infos, donc tu trouves le fait que ces spirales, c'est des tunnels qui permettent
d'accéder à l'entremonde par différentes époques. Et que les ceux du dehors vivent dans l'entremonde et en profitent pour passer par ces passages, enlever les gens et les amener dans des ruches. À part ça, ça parle pas que de ça en fait dans le bouquin. C'est un gros bouquin qui parle d'autres trucs. Oui, oui. Dans ce rapport là-dessus, il y a que ça. Et le rituel qui permet d'ouvrir les spirales, bien sûr. Et le rituel qui permet d'ouvrir des spirales. Tu peux pas ouvrir de spirales de l'entremonde. Ça c'est pas précisé, mais c'est surtout que donc il faut des genres de qu'il y a des formules. Ça c'est facile. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, mais il faut après des choses pour écrire, pour dessiner les spirales. Ou un peu d'encens, quelques trucs faciles à trouver, mais que tu n'as pas là. Ouais. Mais après, il n'y a pas possibilité de faire, enfin, de créer une spirale depuis l'entremonde, en fait. C'est que dans un sens. Ouais. Ouais, on est dans la merde. Chaud bonheur. Bah, du coup, je sors, enfin, je précautionneusement de la pièce en éteignant ma lampe. Et je cherche si je vois David le Normand quelque part. Tu le vois tout au bout du couloir et il disparaît au bout du couloir en tournant. Tu vois sa silhouette, lui aussi il avance avec précaution. Et il a disparu au coin du couloir. De toute façon, je vais le suivre, il n'y a que ça. Et j'ai pas d'autres indices. Donc, okay. Tu le suis, en fait, tu as l'impression de refaire le chemin que tu as déjà fait avant d'entrer dans l'entremonde. Ouais. Mmh. Et au bout d'un moment, donc il avait de l'avance sur toi, donc tu le perds de vue, tu finis par rentrer dans l'atrium. Ouais, version noir et blanc. Et plus que ça. Lorsque tu rentres, déjà, tu entends encore le bruit des créatures au loin, mais tu sais pas vraiment d'où elles viennent. Il y en a plusieurs, tu penses, mais... C'est au loin, ça se répercute peut-être sur les parois, tu sais pas. Et à l'intérieur de l'atrium, t'as des genres de piliers dans l'atrium, bien sûr, t'as des chaises de partout, le comptoir du bar. Mais tu as également, autour de chaque pilier, chaque poutre plutôt, une espèce de substance organique qui recouvre à la fois les murs, même le sol. Et autour des piliers, et il y a, de ce que tu vois, mais c'est très sombre, hein, donc là où tu es, tu vois des gens, femmes, hommes, enfants, qui sont accrochés à ces piliers, emprisonnés derrière cette matière qui semble bouger. Direct, je fais aussi rapidement que possible, mais en restant quand même discret, je fais le tour des têtes pour essayer de retrouver mes frères. Très bien. Les autres, vous ouvrez les yeux. Vous n'arrivez pas à bouger. Vous reconnaissez l'atrium. Vous voyez exactement ce que je viens de décrire. Sauf que tout autour de vous, il y a une substance organique noirâtre qui vous serre contre un pilier, bras y compris. Que faites-vous? C'est à vous deux que je m'adresse. J'essaie de faire du bruit personnellement parce que je pense que je me réveille en me demandant où je suis et je pense que je braille en fait. Ouais, on peut pas bouger de toute façon, non. Donc on peut rien faire d'autre que de crier, je suppose. Non, je voulais voir si vous le faisiez. Faire bouffer. Tu les entends. J'ai pas entendu ce qui s'est passé avant. Tu les entends crier à ce moment-là. Et vous entendez les cris de créatures, les cris étranges, les gargouillis se rapprocher. Du coup, je leur dis avant de me taire, taisez-vous. Et du coup, je cherche d'autant plus frénétiquement qu'ils sont en train de se rapprocher, j'imagine. Ouais. Tu les retrouves, hein. Ils sont sur le même pilier, ils sont sur la même poutre.
Bah, je me sers de mon couteau pour enlever la Ah, substance. ça c'est pas mal, ce couteau-là. Sans ça, il y aurait eu des tests nécessaires. Bon, t'arrives à trancher dans la substance, mais alors que tu fais ça, tu remarques que la substance se tend et réagit, y compris partout. Et vous entendez encore plus les cris et les bruits. Donc tu tranches, tu libères qui en premier? Bah Charlie, avec son flingue. Après, voilà, vu qu'il est plus habitué, qu'il normalement il a un peu plus de sang-froid. Très bien. Parce que vu que Louzo il était quand même hyper paniqué, je préfère que Charlie soit libéré avant lui. Il est libéré. Et vous entendez une autre voix à un autre endroit de l'atrium, impossible de savoir où, dans tout ce bordel. Sophie, Héloïse, Anna! Et les Et je... créatures se rapprochent. Je crie chut. Enfin, je crie. Non, je crie pas, mais... Ok, Louzo est toujours Et bah du coup, accroché. là même avec le couteau, je dis à Charlie, aide-moi. Je sors mon couteau, ouais, Je dis à pareil, je le Charlie, vois où. aide-moi. Bah, et t'as pas besoin de me le dire, je le fais. Oui. On essaye de pas parler. Moi, je mets un doigt sur la bouche Ouais. en regardant Louzo droit dans les yeux. À J'étais Louzo, à deux doigts de on... dire quelque chose, mais justement, je me tais. Je fais oui de la tête. Et vous coupez dans la matière. Et alors que vous faites ça, vous entendez un nouveau cri de la même voix. Sophie, non! 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 Les créatures se rapprochent, vous entendez le tic 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 dans l'atrium. Vous voyez pas où, mais c'est présent. Louzo, tu es libéré. Tu peux te Ben, mouvoir. on se met accroupi, on se met accroupi, on essaie de se planquer. Bouge tout doucement, je pense. On va pas aller faire Oui, trop vite, trop on va pas lourdement. se planquer autre part là. On se planque ici là, là où on est. Très bien. Je suis. Louzo et Jean-Charles, vous sentez quelque chose de pas normal. Vous sentez bizarre. Un petit peu. Vous avez comme des douleurs à l'intérieur. Vous êtes un peu lent. Vous n'êtes pas paralysé, mais il y a un truc qui va pas. Vous avez du mal à vous mouvoir. Ça sent le alien, je sais pas pourquoi. On a bien écrit, bien sûr. Non, 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 c'est pas une douleur au niveau du ventre ou autre, C'est c'est vraiment global du en bruit fait. autour de nous ou c'est... Comment? C'est calme, sauf quand il y a l'autre personne qui crie. Non, mais là, vous entendez le tic-tic-tic, Oui, c'est dans j'ai pas l'atrium, entendu. vous avez dit que vous vous cachiez. Donc je pense que. Faites-moi un test, s'il vous plaît, d'esprit. La difficulté va être. Vous pouvez tous faire le test, la difficulté va être de 6. Ouf. J'ai le droit de relancer? J'ai plus 2, du coup Tu ça me peux. fait 8. Non mais j'ai besoin que d'une personne réussisse. Ah d'accord. Bah c'est bon, Ok. du coup. Trouvez un endroit où vous planquez, à savoir derrière le bar, non loin de là où vous êtes. Eh ben c'est Louzo qui nous emmène alors. Et du coup j'en chope un par le revers du pantalon, vu qu'on a 4 pattes, si j'ai bien compris. Ouais. Et je vous montre le bar Ouais, avec bah un doigt. on le suit du coup. Vous arrivez derrière le bar et vous entendez, cette fois, il doit y avoir plusieurs créatures qui sont présentes dans l'atrium. Parce que vous entendez les bruits. Et derrière vous, contre le mur, derrière vous, donc derrière le bar, il y a un genre de trou entouré d'une matière organique qui ressemble à s'y méprendre à une spirale. Mais c'est assez étroit et c'est entouré par cette. Enfin, c'est composé de cette matière organique, en réalité. Mais ça a l'air de constituer un genre de trou dans le mur organique. Mais ça reste une spirale. Ça ressemble à la forme, en fait. Oui, mais ce que j'ai lu, c'est que c'était que dans un sens. Donc c'est-à-dire que potentiellement cette spirale-là, c'est pour aller dans la ruche. Ou ici on est dans la ruche. Non, j'ai dit que l'ouverture, le rituel pour ouvrir les spirales ne se faisait qu'à un endroit. Ouais. J'ai pas dit qu'il y avait un passage que dans un sens.
puisque c'est justement ceux du dehors passent ouais. dans les deux sens. Et ça, c'est le passage des bestioles, alors potentiellement. Je sais pas. Voilà. Bon, de toute façon, on perd rien à essayer. Hein. Non, oui, On est mourant là, donc. Voilà, voilà, hein. Allons-y. Qui rentre en premier ? Bah, je vais y aller. Ok. T'as toujours le bouquin ? Tu le prends ou pas ? Oui, 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 oui. Je vais pas le lâcher. Hein. Tu rentres à l'intérieur. T'y es pas. Alors, c'est comme de là. Tu t'extirpes vraiment. Tu vas à l'intérieur. Tu te contorsionnes comme tu peux. Et tu es comme happé. Et tu es pas. T'es à moitié dedans que ça t'aspire en réalité. Elle disparaît sympathique. À l'intérieur. Sympathique. Les autres, est-ce que vous suivez ou pas ? Ouais, moi je la suis. Louzo ? Je suivrai le deuxième alors. Très bien. Vous êtes aspiré, vous voyez rien du tout. Vous êtes comme, ouais, vraiment happé. C'est extrêmement désagréable. Et puis à un moment, vous émergez du sol, un peu comme ce qui vous est arrivé précédemment. Vous émergez et vous êtes debout lorsque vous émergez. Ouais. On est toujours en noir et blanc ? Non. Lorsque vous émergez, face à vous, il y a un hublot. Oh putain. Et on non. est... Il y a de la lumière. Oh putain, il y a de la lumière. Mon premier réflexe, si je peux me permettre, ce serait d'essayer de me faire vomir, en fait. Eh ben, tu vomis devant le hublot. Vous êtes dans... S'il y a personne, bien sûr. Vomis là, par le hublot, là, ce sera plus propre. Vous êtes devant. Ouais. Et il fait jour. Il y a une belle lumière. Il y a la mer. Et on va croiser maman. Premier réflexe que j'ai, là, c'est de vérifier s'il y a l'électricité. C'est con, hein, mais... Juste, je regarde s'il y a un interrupteur et j'essaye de l'actionner. Tu l'actionnes. Il faisait pas noir, hein, de toute façon, mais oui, ça marche. Ouais. Et t'entends comme un objet qui tombe au sol, derrière vous. Pouf. Un objet qui tombe au sol. Juste derrière vous. Vous étiez face à vous. On est dans une cabine ou on c'est est quoi, toujours du dans coup un vous êtes dans une cabine. C'est quoi, du coup? C'est ce que je vous montre, là, je sais pas si vous le voyez. Ouais, ouais. Non. Moi, j'ai pas vu. Okay. Eh bien... Vous tournez la tête et vous êtes dans une chambre, enfin une cabine en l'occurrence, mais qui est une chambre. Et en fait, ce sont des clés qui viennent de tomber par terre parce que la porte est ouverte menant vers le couloir. Et dans l'entrebâillement de la porte, il y a une jeune fille, une jeune femme plutôt, qui vous regarde avec des yeux écarquillés, la bouche entrouverte, et elle vient de lâcher ce qu'elle tenait en main. Et lorsque tu te retournes, elle a un instant en tremblement. Elle recule d'un pas dans le couloir. Et elle fuit. Et notre mère. Et il vous a fallu quelques secondes pour reconnaître par rapport à des photos. Oui. Effectivement, c'était votre mère, mais beaucoup plus jeune. Bienvenue dans une boucle temporelle. Tout va bien. Génial. On est dans la merde, clairement. Ça va être compliqué. Le premier qui parle de se tirer une balle... Non, non, on va pas se tirer une balle, mais concrètement, ça va être complexe, parce que là, on est revenu en 1976, on n'est pas censé être né du tout. Et je sais pas du tout comment on va revenir dans l'autre sens. Mais est-ce qu'on ressemble à des monstres ou est-ce qu'on est quand même humain normaux ou... Est-ce qu'on pas a du tout à des monstres, vous êtes vous. Est-ce qu'on a de la gelée encore dessus? Parce que moi je voulais me faire vomir et du coup je veux voir s'il y avait un truc dégueulasse à l'intérieur ou pas. Alors tu vomis, il n'y a rien de dégueulasse. C'est du vomi quoi. Ouais. Non, non, vous êtes vous exactement comme. Comme vous. On est rentré. Ouais, c'est voilà. Vous. Mm-hmm. Ok. Je regarde mes frères et je leur dis « Bon, bah, je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à vivre en 1973. »
Je le regarde avec des yeux écarquillés, je dis... Attends. Tu sais que dans quelques heures ou quelques minutes, il va y avoir une tuerie dans ce bateau, là. Oui, bah on va sortir très vite. Attendez. Il doit y avoir une spirale des autres quelque part, là, dans le bateau. Non, parce que c'est que dans un sens. Mais c'est non. Dans les deux sens pour les créatures, pas pour nous. Non, justement. Je veux juste préciser, il n'y a jamais eu rien sur le fait qu'il n'y a qu'un sens. C'est juste que pour le rituel, fonctionne pas dans l'entremonde. C'est tout. Il n'y a pas de contrainte. Du coup, là, il faut qu'on fasse le rituel. Parce qu'on n'est pas dans l'entremonde, là, on est dans le passé. Oui. On est d'accord. Oui, il faudrait qu'on fasse une spirale pour retourner. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais chercher Il faut aller chercher des craies, des bougies. Je vais chercher tout le matos qu'il faut. Attends, une fois que tu vas avoir fait ton rituel, on va revenir avec les cafards là ? Non, mais non. On va revenir dans le bateau en ruine. Le rituel, c'est pas pour revenir, c'est pour ouvrir des passages, donc des spirales. Enfin, c'est pas pour revenir, en tout cas pas automatiquement. Ça permet d'ouvrir les spirales, telles que celles que vous avez utilisées. Et du coup, la spirale, ça va dans l'entremonde, ça va pas dans le monde réel. Enfin, tu rentres pas une date avec marqué spirale pour 2020, s'il vous plaît. Quoi. Exactement. Du coup, en fait, ça veut dire qu'on a pris le mauvais trou quand on était dans l'atrium. On a pris le trou qui nous emmenait en 1970, je sais pas combien, et pas dans celui qui nous ramenait de là où on venait. En même temps, il y avait plus de spirale là où on était. Oui, mais enfin, t'as vu le premier trou et t'as sauté dedans. Écoute, un peu dans l'urgence, comment te dire qu'on allait se faire bouffer par des espèces de grosses montres religieuses ombrifiques, donc j'estime qu'on s'en est pas trop mal tiré, là, jusque-là. D'ailleurs, pendant que tu dis ça, je me tâte pour voir si on a été blessé, parce qu'on s'est quand même fait choper par ces trucs-là. A priori, non, il n'y a rien de particulier. J'aime bien le a priori. Non, de visible, il n'y a rien. On se sent toujours vaseux, un fatigué. Peu, ouais. Est-ce qu'on a, on a aucune trace d'ailleurs, du coup, pardon, ça vous donne. On n'a pas de trace, non, pas de. Pas de trace. Par contre, oui, vous avez tous les deux, juste vous deux, un -1. Quoi que vous fassiez, si jamais je demande déjà. D'accord. De par la sensation que vous avez de léthargie. Ok. Bon, et toi, qui a lu le bouquin, là, tu sais ce qu'ils voulaient faire avec nous, ces scarabées, là, ces cafards, là ? C'est juste, on est leur nourriture, en fait, c'est ça. C'est, en fait, des espèces d'engeances, je dirais pas démoniaques, parce que... Nous servir de nous comme reproduction, ou je sais pas quoi. Ah, non, je pense que là, on était dans un garde-manger, hein, clairement. C'est pas... Ils nous auraient... administrer un tranquillisant. C'est un peu du genre, c'est un peu du genre araignée, tu vois. Oui, je comprends. Le truc, c'est que si on fait. Si, juste une question. On n'est pas encore au moment de la tuerie du bateau. Le plus logique, ce serait peut-être d'essayer d'éviter qu'elle ait lieu. Et tant pis, on vivra hors de notre temps. Je te rappelle que on ne change pas le passé. Mais pourquoi pas ? Mais on ne change pas le passé, clairement. Notre mère a toujours eu cette sensation que quelqu'un avait pris nos corps. C'est pas pour rien, c'est parce qu'elle nous a croisés quand elle était jeune. En fait, elle nous a croisés là, à l'instant, quand elle était jeune. Et puis il y a eu cet événement tragique. Imagine qu'elle nous ait croisés et puis que la croisière se soit terminée correctement. Elle nous aurait oubliés. Et puis quand on aurait eu 19 ans ou 20 ans, elle nous aurait pas reconnus. Non, elle nous aurait pas. On n'aurait pas existé, en fait. Parce que si les choses. Si cette tuerie n'avait pas eu lieu, notre père n'aurait pas été. Ne serait pas. Ne ferait pas partie en fait du truc de secours, ils se seraient pas rencontrés et concrètement on ne serait pas là. Donc si en gros qu'il faut rien si faire, si cette tuerie n'a pas lieu, on va forcément y passer entre guillemets. Il faut que les événements restent tels qu'ils sont. Ça ne peut pas changer. C'est pas possible. On ne peut pas faire changer l'histoire. C'est comme dans toute
toute histoire de voyage dans le temps, c'est impossible. Tu ne peux pas changer le passé. Si tu changes le passé, tu changes le futur et fatalement, tu n'as pas d'avenir, effectivement. Donc, le seul moyen qu'on a de survivre, c'est soit on reprend une spirale et on réaffronte ces bestioles, soit on part de ce bateau et on laisse les choses se faire telles qu'elles ont dû se faire. C'est... Après, vous choisissez. Hein. Moi, perso, je suis moyennement motivée pour aller réaffronter les mantes religieuses. Mais c'est faisable. Je regarde Charlie. Charlie, t'en penses quoi ? Moi, je sais plus. Je pense que les trois mecs dans le bateau, c'était nous. Oui, je pense. Et je pense que le seul moyen qu'on a de s'en sortir, c'est de partir de ce bateau, là, maintenant, tout de suite. Mais comment... Non, attends, parce que là, ce que je comprends pas, c'est comment on peut revenir exactement au même endroit, au même moment. Mais après, le rituel en tant que tel, on peut le faire n'importe où, on est d'accord. Oui. Le rituel voilà. En tant que tel, on peut le faire... Ah mais non, parce qu'on va revenir en fait le jour où notre mère est morte. C'est ça. Donc le truc, c'est que il faut absolument... T'es en train de dire que c'est nous qui avons tué notre mère, c'est ça ? Non, ça c'est pas sûr, on sait pas. Bah si, on rentre en courant, on va voir si elle est toujours vivante, on la trouve, elle est vivante, elle nous voit, elle tombe dans les pommes, elle se tape la tête, elle meurt. Peut-être. Oui, mais on l'a pas tuée intentionnellement. Enfin, c'est... Effectivement, je comprends ce que tu veux dire et je suis plutôt d'accord avec toi, mais... Mais oui, le souci, c'est peur en nous voyant, enfin, c'est je sais pas. Ça, c'est qu'elle a, elle s'est revue à l'instant, en fait. Elle a revu cette scène-là. Ça faisait 10 ans qu'elle nous avait pas vus, et en fait, elle, quand elle nous a vus, on avait exactement la même tête que quand elle nous a vus là à l'instant. Ouais. Est-ce que ça vaut pas le coup de lui donner un avenir à cette Maryse de 19 ans? Tu vois. Plutôt qu'à nous. Ouais. Essayer d'aller dans le bateau maintenant, là, de trouver celui qui est en train d'ouvrir un portail. Non, c'est nous qui avons ouvert un portail en fait. C'est nous qui, en refaisant le rituel maintenant, qui allons déclencher cette tuerie. Ah. Parce qu'on va ouvrir pour retourner dans notre monde là. Et cette porte, ils vont s'en servir pour nous suivre. C'est très juste. Bah, on n'ouvre rien du tout alors. Là, on est arrivé par où, là, en fait ? Il y a une sorte de trou, quelque part ? On voit quelque chose ? Bah, à part le hublot, il n'y a rien. Bah non, c'est exactement la même chose que quand on est passé dans l'outre-monde de notre époque, en fait. T'avais plus rien, plus de spirale. C'est-à-dire qu'on peut... Tu peux rentrer, mais tu vois quand tu rentres... Je suppose que si on va dans l'atrium derrière le bar, il n'y aura pas de spirale. Non, je ne pense pas. Ouais. Et je suis tout à fait... D'accord avec toi quand tu dis que, à mon avis, peut-être la tuerie n'a vraiment pas eu lieu et que en fait notre ami David il a même pas pété un câble en fait, c'est juste des créatures qui sont arrivées et qui ont enlevé des gens et puis après les mecs ils sont devenus fous quoi. D'avoir vu ces choses, enfin on en deviendrait à moi. Hein. Elles sont venues à cause de nous si on fait quelque chose maintenant, tu vois. C'est ça. Alors j'ai pas compris le début, hein. J'arrive pas à mettre le doigt sur le start du programme là. Non plus. Mais en tout cas, je suis d'avis pour qu'on on est coincé ici. Si ce que je pense est vrai. On a juste notre vie, toi t'as 38, moi j'ai 35, toi t'as 40, ben on les aura dans les années 70 au lieu de les avoir dans les années 2020 quoi. Et puis on fait une croix sur nos femmes et nos enfants, et puis voilà, il va falloir faire notre deuil. Bon, ça, on va finir en asile, vous croyez ? C'est peut-être qu'on pourra faire le rituel après. Ailleurs ? Que le bateau soit arrivé, ouais, ailleurs. Oui, et si on le faisait dans un endroit désert, on va dans un désert ? Dans une grotte. En Antarctique. Ouais. Les insectes, ça aime pas le froid ou ça aime pas le chaud ? Ça aime pas le froid. Ni le chaud, voilà. Rien.
Non, le chaud, il s'accommode. Le froid, ils aiment moins. Non, il faudrait... Enfin, oui, si ouais. On réfléchit, je vois ce que tu veux dire. Oui, pas maintenant, en fait. Ne pas le faire chance, maintenant, voilà, ça c'est sûr. Une chance à notre mère d'avoir une vie normale, c'est-à-dire sans être folle et puis penser qu'elle a engendré des monstres qui vont la tuer. Puis peut-être pas rencontrer notre père, mais après tout, elle rencontrera quelqu'un d'autre. Voilà. On va disparaître du paysage sans même s'en rendre compte. Biou. On va être dissolu. Ben c'est soit on va disparaître du paysage parce qu'on n'aura jamais existé, ouais. Soit il y a des murs entre les dimensions qui font qu'on va rester tel qu'on est et voilà quoi. Ouais. On n'a pas jamais existé, c'est juste qu'on n'est pas dans notre monde. Et puis si on fait pas le rituel maintenant mais qu'on le fait dans 2 semaines ailleurs, c'est pas grave. Enfin, je pense. Ouais. On n'est pas en train de pourrir, je veux dire, on n'a pas le bout des doigts qui. Non, non. Tu vois, c'est pas les visiteurs quoi. C'est pas, je pensais pas à ça, je pensais plus à Retour vers le futur, tu vois. Genre Marty McFly. Ouais, genre les parents se sont jamais rencontrés et du coup t'as jamais existé en fait. Ouais. Mais à quel moment ça déclenche ça? Moi je pensais plutôt genre comme dans les visiteurs, c'est tu pourrais de l'intérieur, il faut prendre de la pâte à dents. Mais. Pendant que vous discutez des chacun visiteurs. Chacun ses références. Pendant que vous discutez des visiteurs, dans le couloir vous entendez des voix. Et vous entendez quelque chose du genre. Alors, mademoiselle, dites-vous dans quelle cabine est-ce que vous êtes Ah, merde. Elle a dit qu'elle oh, était... Oh oui, merde. On s'excuse, venez, on s'excuse, on s'en va, puis c'est tout. Ouais, ouais. On se met dans la... On se met dans le couloir... On descend... Enfin, on sort dans le couloir... Vous sortez dans le couloir et vous voyez... vous voyez la jeune fille avec... un homme... Un mec de l'équipage. Alors, ouais. Pas que un mec de l'équipage, d'ailleurs. Il y a un homme qui est... que vous reconnaissez, vous l'avez vu en photo, qui est votre grand-père, mais que vous n'avez jamais connu. Et il est avec 2 personnes de l'équipage. Et elle dit, c'est eux, ma chérie? Oui, oui. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faisiez dans la chambre, ici? Là, c'est un des gars de l'équipage. Messieurs, et il s'approche de vous. On s'est trompé. On s'est trompé de cabine. Désolé, on pensait... On n'est pas dans l'endroit. Ouais, on n'est pas dans la bonne coursive. C'est au même endroit, mais pas la bonne coursive. Alors du coup, bah voilà. Oh, d'accord. Bon, elle a juste été effrayée. Ma fille a juste été effrayée. Oui, bah, on comprend. On s'excuse vraiment. On est désolé. Excusez-moi, est-ce que vous savez dans combien de temps on arrive à la prochaine escale? Oh, là, on en a pour au moins 6 heures. D'accord. Avant d'atteindre le port, déjà, c'est... Là, ça sera pas Ploumenec. Ne me demande pas de te donner une ville, j'en sais rien. Non, mais Brest. Tu vas dire, Brest. Voilà, truc du genre, quoi. C'est les côtes bretonnes, quoi. C'est pas l'Egypte. Ouais. Ou... Non, non. Merci. Et derrière, d'ailleurs, le déjeuner va bientôt se terminer. Si vous n'y êtes pas allé, c'est maintenant. Bon, allez, bonne journée. Appelez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonne journée. Merci. Je regarde Charlie et Louzo, je leur dis moi j'ai pas faim perso. Hein. Moi non plus. Moi j'ai surtout peur qu'il y en ait un qui soit en train de faire un rituel dans son coin, dans une cabine et qu'on soit trompé. Tu penses à David Lenormand? Moi je suis de plus en plus pas convaincu. Parce... Ah oui, je vous ai pas raconté. J'ai pas eu le temps, c'est avec tout ça. Donc du coup, on s'éloigne quand même, hein, parce que... Bah, on va aller sur le pont, peut-être. On va aller sur le pont, et du coup, je vous raconte sur le chemin que du coup, je l'ai croisé dans l'outre-monde, et qu'il cherchait sa femme et ses filles. Mais est-ce qu'il a dit comment le portail était arrivé en premier? Mais il en sait rien. C'est pas lui qui l'a ouvert, visiblement. Et pourquoi est-ce que c'est lui qui a été désigné par tout le monde comme l'assassin? Parce que peut-être, je sais pas, ils ont commencé par enlever sa femme et ses filles, ces fameuses créatures, et que du coup il les a suivis. Donc il faut le retrouver et puis voir où il est à ce moment-là, et peut-être qu'on va voir quand le... Oui, mais comme tu dis, ça se trouve c'est nous qui avons ouvert ce fameux portail. Non, mais il faut quand même être sûr, faudrait retrouver le David... Oui, il faut qu'on le trouve. Bah... Après, s'il faut, il est en rapport et il y a quelqu'un, un clandestin qui est en train de faire un rituel parce qu'il a ciblé ce navire, on va savoir pourquoi. Ouais, j'y crois pas trop. Hein. Tu sais, les adeptes du Maleus Maleficarum, ça t'accourt pas les rues quand même. Hein. Tu l'as toujours avec toi d'ailleurs? Non, je crois pas. Si, bah, je l'avais. Ouais. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a 2 fois le même livre dans le bateau là? Deux fois. Ou pas. Ou pas. Ou pas.
Ou pas. Ou alors c'est nous qui l'avons amené. Ou pas. C'est ça le truc. Mais ça manque, il manque le début, hein, quand même. Bah, le début, c'est une boucle. Ouais, mais une boucle... Enfin, c'est pas une boucle qui sort du néant, quoi. C'est la, c'est la base de la boucle temporelle, en fait. C'est que, bah, y a pas de début. Tu veux pas le balancer à l'eau, ton bouquin, là? Non, c'est une édition limitée. On s'en fout. On s'en fout s'il reste sur le bateau, il y a quelqu'un qui va s'en servir pour ouvrir. Bah non, parce que si je le garde... Ouais, bah t'as intérêt à le garder bien collé sur moi. Ah oui, t'inquiète pas. C'est prévu au programme. Du coup, je demandais... Est-ce que dans nos recherches sur le dossier, sur le bateau blanc, l'équipage et puis les passagers, on avait retrouvé par exemple des personnes qui auraient eu des, comment dire, des emplois ou des occupations un peu limite-limite, genre je parle ésotérique. Non. Il n'y avait pas un fakir qui venait de... Au pire, le dossier est encore dans la veste de Charlie. Hein. Ouais. Également, vous commencez tous... tous, hein, les trois, à vous sentir vraiment mal, c'est-à-dire douleur musculaire partout, mal de tête. Ah, on va disparaître. Mmh. Voilà. Je vous rajoute tous un moins un, donc les deux qui avaient déjà moins un, vous avez moins deux. Et moi j'ai moins un, ok. J'ai moins un. Et alors que vous palabrez... Vas-y. Alors que vous palabrez, vous êtes dans le couloir, là, toujours. Non, on est sur le pont. On est monté sur le pont. Ouais. Ah bon. En discutant, en discutant, on est monté sur le pont. Ok, moi j'avais pas entendu ça. Ok, très bien. Très bien. Et mais néanmoins, vous voyez une... Il y a d'autres gens hein, sur le pont, en l'occurrence. Vous n'êtes pas seul, hein. Mais il y a de l'espace. Je vais vous demander plutôt, tous, un test d'esprit, et avec vos malus, ne les oubliez pas. La difficulté va être de 6. Vous me donnez le résultat total. Oh là là. Est-ce qu'on a le droit de relancer? Tu as le droit si tu dépenses un point de détermination. Oui, bah comme d'hab, de toute façon... Ouais, j'en ai combien des J'en ai plus que 5. On n'a pas perdu, toi. Ah bah alors j'y vais. Alors attends. Okay. Bah c'est encore pire. Ça recommence. Ok. Ah bah c'est pareil. Bon, très bien. Toi t'as fait 7 par contre. Raté pour rater. Hein. Toi t'as fait 7 par contre. Moi j'ai fait 7 plus 2 moins 2. Donc c'est très bien. Et bien alors que vous discutez sur le pont, que vous, les deux autres sont concentrés, toi ton regard est attiré un peu plus loin vers une personne qui se dirige vers vous. Et ce qui attire ton attention, d'abord, avant le visage de la personne, c'est son manteau. C'est un très long manteau, beaucoup trop grand pour lui. Et alors qu'il s'approche, vos regards se croisent et vous vous reconnaissez mutuellement. Il s'agit de David Lenormand. Il ouvre un des pans de son manteau et vous voyez qu'il a le fusil. Enfin, tu vois qu'il a le fusil de votre père. Et il s'apprête à l'armer. Que fais-tu? C'est à toi que je m'adresse, Luzo. T'as pas beaucoup de temps pour réagir. Attention, ils veulent nous tuer. Et je les tire pour les faire rentrer dans le couloir, par exemple. Là, vous étiez sur le pont, donc va falloir... Mais oui, tu les tires. Les autres, vous avez entendu, vous sentez qu'ils vous tirent. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, on le suit, de toute façon. Et puis on se baisse. Ils nous tirent. Ok. Est-ce que j'ai mon flingue, toujours, non? Oui, t'as toujours ton flingue. Bon, je vais sortir mon flingue, je vais essayer de trucider David. D'accord. Les deux autres, vous fuyez, toi tu sors ton flingue. Tu l'as vu, au moment où tu le vois, il est en train d'armer le fusil, il est vers toi. Tu sors ton flingue, je vais te demander un test. Ouais. Si tu le foires, il tirera avant toi. Donc tu vas me faire un test, par contre tu vas me lancer, vu que t'es flic, tu vas me lancer 2 dés de 10. Tu vas choisir le meilleur. Cette pression. Tu vas choisir le meilleur et tu vas ajouter 2 au résultat. Et bah 8, 10 plus 10, c'est bien. Très bien. Tu tires combien de fois? Oh, deux fois. Okay. Deux fois, ouais. T'as été surprise, la première balle, tu le loupes, mais tu tires une deuxième balle. Lui, le coup part, mais il a été... il a pris la première, disons, à l'épaule. Le coup part au niveau de son fusil également. Pff,
tu tires une deuxième fois, paf, tu l'atteins au niveau de la poitrine. Il tombe en arrière. Les gens commencent à crier autour de vous. Il s'enfuit. Que faites-vous? David le Normand est à terre. Non, je crois, enfin, moi, personnellement, je pense pas que je le vois parce que je non, pense que tu je le vois. Pas. Moi, je pense que à Charlie, là. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Charlie, ça va? Oui, ça va. Je vais prendre le fusil et on part en courant. Je le jette à l'eau, le fusil d'ailleurs. D'accord. Je balance par-dessus bord. Ah, donc tu nous dis que tu l'as flingué, quoi. Ouais. Bon, moi, du coup, je voudrais me rapprocher de lui. Bah, il est mort, non? Enfin, dans la poitrine. Bah, je vais voir. Moi, j'en sais rien. Moi, je fouille. Je sais pas pourquoi. J'ai l'intuition de fouiller ses poches. Les poches de manteau. Ouais. Tu retrouves les photos de vous. Ouais, bah je les prends. D'accord. Pas déconner non plus. Y'a plus personne sur le pont maintenant, pour l'instant en tout cas. Est-ce qu'il est mort, vraiment? Il est mort, ouais. Si vous vérifiez, vous constatez qu'il est mort. Ouais, je voulais Charlie, c'est peut-être pas une bonne idée qu'on reste là. Non, mais on va où? Attends, il y a deux... le Normand sur le bateau. Celui qui a les flingues de notre père et celui qui a les habits de notre père, pardon, et celui qui a ses habits à lui. Je sais pas, on n'a pas croisé l'autre pour l'instant. Mais il est là, c'est sûr, avec ses gosses. Mais non, quoi. Non, Louzo. Quoi? Celui-là, c'est celui qui était sur le bateau il y a 3 jours, qui est venu avec le fusil de notre père, qui Attends, est passé. Perdu, là. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, que tu as vu dans le bateau quand on était nous en tant avec des... Non, justement, celui qui était dans le bateau, que moi j'ai vu dans l'outre-songe, c'est le David Lenormand de notre époque, de cette époque-là. Et celui de notre époque, enfin de qui est venu dans notre époque, c'est celui-là. Donc le David Lenormand de cette époque, il est dans l'outre-songe pour l'instant. Il n'est pas venu pour rien chercher notre mère, il n'est pas venu. Les gamins, ils ont dit qu'ils lui avaient donné l'adresse de notre mère comme un jeu, mais en fait, il l'a cherché parce qu'il voulait avoir nos photos. Oui. Coïncidence? Je ne sais pas. À mon avis, pas coïncidence du tout. Parce que peut-être qu'il s'est sorti, je sais pas. On réfléchira après, on le fout à l'eau. Oui. Vous le foutez à l'eau. Ouais. Ok. Vous avez une. Et du coup, on. Attendez. Wait for the police. Au moment où vous faites ça, les douleurs deviennent beaucoup plus intenses. Vous avez l'impression vraiment que votre tête va éclater. Vos jambes se dérobent sous vos pieds. Sous vous, pardon. Vous tombez. On a le temps de le balancer quand même? Bah, vous l'avez balancé. Ouais, d'accord. Justement. Hein, vous voyez plus très bien. Ça commence à se troubler. C'est assez rapide. Vous vous sentez présent, mais c'est en train de changer. Vous êtes par terre, vous rampez, vous vous voyez, vos regards se croisent, et bientôt vous ne pouvez plus bouger vos bras, vos doigts. Et puis plus rien. Vous disparaissez. Vous n'avez jamais existé. Vos enfants non plus d'ailleurs. Oui. Oui, fatalement. Parce que David Lenormand n'aura jamais été retrouvé, donc il ne sera pas le tueur fou. Par conséquent, tout change. Vous n'auriez pas enquêté sur lui, vous n'auriez rien retrouvé, parce qu'il ne sera pas revenu à votre époque. Il ne sera pas... Vous n'aurez pas enquêté sur lui. Et donc, vous ne serez pas allé sur le bateau blanc. Et donc, vous n'auriez pas fait le rituel. Et donc, vos parents ne se seront pas rencontrés. Vous avez rompu la boucle. Ce faisant, vous vous êtes sacrifié, vous et vos enfants. Mais les passagers du bateau blanc, eux, vivront. Votre mère aura peut-être une meilleure vie. Sans vous.